Webspell face au Punchline, c'est une superbe affiche. Ah, superbe affiche entre deux équipes qui ont fait, d'un côté les Webspell qui ont fait quasi un parcours sans faute, qui ont gagné tous leurs matchs. Ils sont vraiment, comme l'a dit Ikao dans l'interview là tantôt, chaud bouillant. Ils partent quand même avec une bonne impression là. Les Punchline qu'on avait vu hier un petit peu en dessous sont remontés. Ils ont sorti les pyrogènes en demi-finale. Ils se retrouvent maintenant en finale contre le Webspell pour prendre leur revanche du match de poule. Voilà, du match des phases de poule qui s'est mal passé côté Punchline. Mais on le sait, ils ont repris du poil de la bête maintenant. Et on va voir ce match bientôt contre les Webspell. Revanche peut-être pour ces Punchline. C'est clair. On avait débuté le tournoi Battlefield 3 PC par un match entre les Westfell et les Punchline. On va donc le finir avec la même affiche. On va donc avoir ces deux équipes sorties du même groupe en grande finale et ça va être très intéressant. Les Punchline à charge de revanche et les Westfell pour confirmer vraiment l'état de forme qu'on a vu tout au long de ce tournoi dominateur. Ils méritaient leur place, les deux équipes en finale. Et on va donc voir laquelle de ces équipes va devenir championne de France. Et ça, c'est super intéressant. On va se retrouver d'ici deux petites minutes avec Néo qui va aller vous interviewer, deux capitaines d'équipe, des Punchline et des joueurs des Webspell qui vont répondre à ces questions. Donc à tout de suite et ne bougez pas du Battlelog de jeuxvideo.com et de la webtv teamldlc.com puisqu'on revient tout de suite pour cette grande finale, pour l'épilogue de la partie PC, sachant que demain on se retrouvera pour la partie console. A tout de suite. A tout de suite. Et ben bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va se retrouver sur une vidéo spéciale vu que ce week-end il y a eu la Coupe de France Battlefield PC et Xbox 360 ainsi que PS3. Donc c'était samedi 4, on a eu la finale de Battlefield 3 PC et du coup j'ai enregistré la finale pour vous la proposer en vidéo pour ceux qui n'ont pas pu voir la finale justement. Donc cette vidéo ce sera tout simplement la finale avec la remise des cadeaux à la fin pour les trois premiers, les quatre premières équipes qui ont gagné la Cup 2013 de France. Donc je vais vous laisser regarder la vidéo, je vais vous laisser admirer un peu le niveau de jeu qu'il peut y avoir à la Coupe de France. C'est vraiment un sacré niveau de jeu. Je vais vous laisser regarder, j'en dis pas plus. Et ben, je vous remercie de regarder la vidéo, puis je vous dis à plus. Allez. Nous voici donc en direct du LDLC Showroom avec à ma gauche FRD des Punchline et à ma droite Abricot des Webspell FRD. On va revenir un petit peu sur votre reprise de confiance là après votre défaite hier contre les Webspell pendant ces matchs de poule. Comment vous expliquez cette reprise de confiance? Salut Néo. Alors déjà oui, on est très mal rentré dans le tournoi en perdant. C'était le matin, on était peut-être trop confiants. On s'en est pris une belle d'ailleurs. Ouais, ça a été assez difficile. Ouais. On a pris un coup au moral. Hier soir, quand on est rentré à l'hôtel, on a bien débriefé, on s'est couché tôt.
ça a payé d'ailleurs contre Pyrogène ce matin. On était là, on était présents. Niveau communication, c'était super. Ah, vous avez fait vraiment un très beau match contre les Pyrogènes. Surprise là au niveau de cette demi-finale. Vous sortez les Pyrogènes, vraiment belle performance là. Oui, c'est vrai qu'on a très très bien joué contre Pyrogène. On l'attendait, on ne savait pas trop, on les a beaucoup joués sur le net. Et c'était très serré, ils nous ont gagné quelques fois, mais c'est vrai qu'on a été contents de notre prestation. Merci FRD. Abricot, joueur des Webspels, vous avez fait, je vais dire, presque le parcours finalement parfait pendant cette phase finale de la Coupe de France Battlefield 3. Abricot, comment tu la sens cette finale? Déjà avant de la sentir, on est super content. Déjà on est contre les Punchlines, c'est notre équipe favorite, après nous bien sûr. Hein. C'était votre but d'arriver ici en finale? Avec les Punchlines, ouais. On s'était dit avec Fred, see you final. Et on a réussi, on est super content et on va s'amuser, ça va être bien sympa. Ok, écoute, c'est vraiment chouette de vous retrouver finalement tous les deux en finale, comme vous l'aviez annoncé. Écoutez. Dans quelques instants, on va vous retrouver l'un contre l'autre, on l'espère, dans une finale d'anthologie, comme on l'a vu à la Nvidia Cup, comme on a vu aussi une belle finale avec la Marina. J'espère, on espère que ça se terminera en beauté ici au LDLC Showroom pour cette finale, cette grande finale de la Coupe de France Battlefield 3. Messieurs, merci. Et on est de retour avec Neometrix pour vous faire vivre cette grande finale de la Coupe de France Battlefield 3. On arrive donc au terme du tournoi APC. Deux jours de compétition qui viennent conclure un an de compétition intense sur BF3 avec les meilleurs joueurs français. Et on aura donc cette finale avec les Punchlines contre les Webspels. Neo, on va avoir du beau spectacle et on va commencer sur Bazar. On sait que les deux équipes ont énormément straté cette map. On a vu les Webspels très très fort là sur Grand Bazar contre les remakes en demi-finale. Les Webspels qui ont vraiment toutes leurs chances face aux Punchlines. Les Punchlines par contre eux qui ont repris confiance en eux après leur défaite justement face aux Webspels pendant les matchs de poule. Ils se retrouvent maintenant ici en finale pour une grande finale on l'espère entre ces deux équipes. Match donc au sommet. Ici au LDC Showroom pour cette finale de la Coupe de France Battlefield 3. Et donc c'est le moment pour vous de nous balancer vos pronos sur Twitter sur le hashtag CDFBF3. Si vous avez un favori, si ce sont les joueurs des Punchlines, si ce sont les joueurs des Westpels, c'est le moment de vous faire entendre. On a quoi qu'il arrive des Westpels qui ont fait quoi qu'il arrive un super beau tournoi ces deux jours. Un très beau niveau de jeu, clairement le niveau de jeu le plus intéressant qu'on ait vu durant ces deux jours. Ouais, pour le moment, les Webspels qui sont vraiment, je vais dire, favoris là pour cette finale, la Coupe de France Battlefield 3. Ils ont vraiment fait le parcours parfait en gagnant tous leurs matchs, aussi bien au niveau des phases de poule qu'au niveau de la demi-finale face au remake. Demi-finale qui ne fut pas spécialement facile face au remake. Ça s'était très très bien passé sur Bazar avec un full cap très rapide dès le premier side. Et puis, après ça s'est un peu tempéré. Puisqu'ils ont perdu le premier side d'une cinquantaine de tickets. Derrière, ils ont mis la grosse sauce en finissant avec plus de 100 tickets d'avance sur le second side. Et ça avait donc été suffisant pour les joueurs des Westfield pour aller directement en grande finale et aux côtés de Electronic Arts pour cette Coupe de France BF3. On salue jeuxvideo.com sur lequel vous pouvez suivre ce stream, mais également sur le Battlelog, Asus, Cooler Master, LDLC.com, Nvidia et Razer qui offrent des beaux lots en tout cas pour ces finalistes. Plus 20 000 euros de dotation pour cette finale de la Coupe de France BF3 joueurs. Ouais, vraiment des très beaux lots là, qui ont été mis à disposition des vainqueurs, en tout cas des quatre premiers de cette phase finale de la Coupe de France. Notamment avec des très très beaux ordi, j'ai vu pour les premiers. Donc vraiment, du beau matos. Et là, les joueurs finissent de se préparer, on va pouvoir y aller. Donc, on l'a dit, première map, c'est Bazar. Et on sait que les deux équipes sont
super costaud sur cette map. Ouais. On a vu des Westfels qui nous ont fait un side avec 99 tickets de plus en demi-finale face au remake. On sait également que les punchlines, ils sont graves, solides sur cette map. Là, on a vraiment un pronostic compliqué à faire sur cette première map. Ça va être vraiment très compliqué. On a vu, comme tu le disais, hein, des web spells qui ont littéralement explosé les remakes pendant la demi-finale, justement sur Bazaar. On sait également que les punchlines sont très, très, très forts sur cette map. Map énormément stratée par les deux équipes. C'est un peu un grand classique, là, cette map, Grand Bazaar. Et voilà, j'espère que pour le spectacle, on aura droit à trois maps. Avec deux équipes au coude à coude. En tout cas, je pense que cette finale va nous réserver beaucoup, beaucoup de surprises. On peut revenir un petit peu sur les vétos. Les joueurs des Punchline ont décidé de veto Sen. Pourquoi ? Parce que lors du match de poule, c'est cette map Sen qui avait été jouée et les joueurs des Punchline s'étaient fait totalement exploser par les Westpel une grosse phase de spawn kill pendant 4-5 minutes où les Punchline n'avaient pas la solution pour s'en sortir. On va peut-être expliquer aussi à ceux qui viennent rejoindre le stream ce que on entend par veto une map. En fait, il y a 5 cartes, on en élimine une. Il y a 5 cartes. Les équipes, l'une après l'autre, d'abord l'équipe A, donc celle apparemment qui a le meilleur pronostic au niveau des scores, va en premier veto une map, c'est-à-dire qu'elle va refuser de jouer sur une des maps, en l'occurrence Sen Crossing, pour les punchlines. À côté de ça, juste après, la deuxième équipe, ici les Webspell, vont veto une deuxième map, opération métro. Pourquoi ? Parce que les punchlines, on a vu qu'ils étaient super forts dessus. Ils ont explosé les pyrogènes dessus. Et on sait que c'est une des maps fortes, c'est la grosse map forte des punchlines. Et donc, du coup, les Webspell, ils n'ont pas pris le risque de la garder dans le map pool de cette finale. Tout à fait. Alors après, on a les maps qui sont choisies par les différentes équipes. Tout d'abord, la map choisie par les Webspell, pique de dame avant. Pourquoi pique de dame avant ? Parce qu'ils pensent, à mon avis, que les Webspells n'ont pas spécialement beaucoup straté cette map. En tout cas, c'est une map très très difficile où il va sûrement falloir mettre en place des stratégies pour avancer, comme les fumigènes. Et on avait vu les Webspells sur le match contre la team Mistral lors du match de poule jouer cette map. Et ça s'était très bien passé. Ils avaient dominé, ils avaient bien préparé avec notamment pas mal de positions couchées dans les couloirs. Ouais, ça s'était très bien passé pour eux. Et puis la deuxième map choisie justement par les punchlines, c'est Téhéran. On sait que les punchlines maintenant sont très forts sur Téhéran. C'est Enox qui nous confiait ça, la team Pyro qui nous confiait ça il y a quelques instants. Les punchlines vraiment très forts sur Téhéran. Et puis la map neutre, Bazaar. Voilà, la map neutre. L'équipe qui perd donc cette map neutre part sur sa carte dans la deuxième map. Et on rappelle qu'il y a donc trois cartes dans ce BO3 et qu'il faut remporter pour les équipes pour devenir champion de France 2013, remporter cette dernière Coupe de France Battlefield 3. Il faudra remporter deux des trois cartes de cette finale. Ouais, il faut remporter deux des cartes. Si après la deuxième map, on se retrouve avec une map pour chaque équipe, eh bien on décide finalement d'aller sur une troisième map. La map qui va départager deux équipes. Alors que toi, ton favori, tu me l'as donné tout à l'heure en interview, ce sont plutôt les joueurs punchline, de Punchline. Ouais. Et ben moi, mon cœur penche plutôt pour les Westpel avec le niveau de jeu qu'ils m'ont montré. Donc, on est donc au niveau des 50-50 sur les solutions logiques, réponse logique en fonction de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et hier c'est avec donc les parti, c'est donc parti, on est sur la première map, on est sur Bazaar. On a donc les joueurs des Punchline qui commenceront en russe et du côté des US, ça sera donc les joueurs des Webspell qui débuteront en américain. Oui, alors on va voir, hein, là de nouveau ça va se jouer sur les bacs. On sent que les équipes vont privilégier la prise du B. On voit déjà là trois joueurs Punchline qui s'incrustent là au niveau du B. Attention à pas faire de team kill. Le crossfire là avec différents membres Punchline pour bien croiser leur tir là sur le flag. Allez, les joueurs des Webspell qui essaient de contester, de ne pas laisser la possession de ce drapeau central aux joueurs des Punchline. Il est capital ce point B, vous allez le voir tout au long de l'événement. C'est l'un des points qu'il faut absolument maîtriser sur cette carte. Rester maître de ce point B permettra clairement à l'équipe qui le gardera plus longtemps de remporter cette première map. Ouais, Abricot qui a déjà pris position au niveau de la route. Ici, le combat fait rage là, dans le garage qu'on appelle la Cato.
Et le B, là, maintenant, aux mains des punchlines. Les punchlines qui ont remporté donc ce premier duel au niveau de ce middle. Ils vont pouvoir prendre possession du point B. Et là, si vous découvrez Battlefield, on a 2 points sur 3. Ça veut dire qu'on fait descendre les tickets adverses de manière plus rapide. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a la supériorité au niveau des drapeaux, les tickets adverses tombent plus vite. Et le but du jeu est évidemment de faire tomber les tickets adverses à 0. Vous allez entendre souvent le mot relance, puisque là, les joueurs des Wetspell sont en train de tenter une relance au niveau du point A adverse. Ils ont perdu le B, donc du coup, ils vont attaquer un point adverse, c'est ce qu'on appelle une relance. Et ils sont en train d'essayer de prendre le premier point adverse. Et pour l'instant, ça semble compliqué, puisqu'ils se font contester aussi, eux, leur premier point, les joueurs des punchlines qui réagissent du tac au tac. Effectivement, on voit vraiment un match sous pression. Les Wetspell, comme tu l'as dit, qui tentent les relances pour pouvoir recoller tout de suite au score au niveau des tickets, histoire bien tout simplement de ne pas se faire noyer au niveau des tickets. Alors, on est en 150 tickets, il faut faire attention de ne pas faire d'erreur. Une fois qu'on fait une erreur, les tickets peuvent descendre très très vite. Allez, premier petit avantage pris par les joueurs des punchlines qui ont 10 tickets d'avance sur leurs adversaires, mais les punchlines sont en train de se faire contester ce point B, mais ils vont en garder possession. Ils vont donc rester avec 2 drapeaux supplémentaires par rapport à leurs adversaires et donc faire diminuer un peu plus vite les tickets de l'équipe adverse. Pour perdre des tickets, il faut avoir un compte drapeau en moins que les adversaires, voilà, ou avoir un joueur qui respawn. Alors ici, la perte de tickets se fait par le respawn d'un joueur, donc le fait de réapparaître. Et donc une fois qu'un joueur réapparaît, eh bien, il fait perdre un ticket à son équipe. Allez, Abrico, lui qui doit vraiment backdoor à chaque fois au niveau de cette autoroute. Ouais. Son rôle, c'est de venir prendre le point A ou le point C dans le dos de l'équipe adverse. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal, puisqu'en plus, on fait spawn des coéquipiers sur lui et on va pouvoir reprendre possession de ce point A du côté des joueurs des Wetspell et repartir peut-être là pour la première fois avec 2 drapeaux pour les Wetspell et 1 drapeau pour les punchlines. Ouais, c'était important pour les Wetspell de reprendre le A, puisque c'est le point qui se situe juste après leur spawn. Et une fois qu'ils se font reprendre ce point, c'est très difficile pour eux de repartir. Oh, il y a un punchline là qui essaie de faire le kill, il a eu du mal, mais il a finalement fait le kill FRD là sur Malicium, il s'en est senti vainqueur et il va pouvoir continuer à spawn kill ses adversaires, même si ce point-là il commence à le caper. Là c'est un petit avantage au joueur de FRD qui est placé à une position assez stratégique, une position qu'on n'a pas l'habitude de voir en temps normal là sur cette map. Et au niveau de ce middle, on a un joueur qui règne en maître, c'est FRD qui est venu back avec son copier IKO. Et IKO qui tient pour l'instant ce point B avec le soutien de son équipier, là, qui va faire un bon frag. IKO qui fait un bon travail défensif sur le point B et qui permet tout simplement de garder le flag aux mains des punchlines. Les punchlines sont vraiment bien dedans hein, pour l'instant au niveau de ce point B. Ils n'ont pas perdu de la maîtrise à chaque fois et ils ont toujours, donc avec ces 2 drapeaux, hein, un petit capital, un petit... matelas de points supplémentaires, 20 tickets, et ces tickets ils vont peut-être coûter cher à la fin. Et FRD hein, de nouveau qui fait un bon travail, il n'y a pas de la réanimation. Si il y a une réanimation côté punchline sur le côté Wetspell sur le B, peut-être qu'ils vont pouvoir tenter une relance sur le flag B. Et là de nouveau sur le point A, ça se dispute énormément. Attention, on a Malicium qui est en train de prendre la possession de ce point B. Regardez les joueurs des Wetspell qui sont en train de tenter le full cap. Hein, tout simplement, ils prennent ce point B, ce point central. Ils sont en train de venir contester le point adverse. Même là, ils ont encore la possession du point C. Ils vont peut-être réussir un super coup en prenant les trois drapeaux. Ouais, côté punchline, il faut éviter ce genre de situation. Ça fait perdre très très beaucoup de tickets et très très rapidement. Donc du coup, voilà, il va falloir remonter la situation assez vite côté punchline. Attention quand même, il y a IKO qui essaye de faire la différence. IKO, il a fait pas mal de dégâts et il a senti son équipe d'un guet-apens au niveau du respawn C. Ils vont donc pouvoir repartir au niveau du A et du B. La relance, là, voilà, vous la voyez. Clairement la relance, là. Clairement la relance de IKO sur peut-être le point B. Non, il décide finalement de partir sur le point A. Stratégie peut-être surprenante, mais quand bien même efficace. Les Wetspell, ils sont à 4 hein, tout simplement sur ce point B pour garder possession du point. C'est contesté, hein, vous allez le voir, parce que là, il y a Xia qui va essayer de prendre le kill sur le jardin adverse. Il y a FRD qui va mettre une bonne smoke pour cacher un petit peu la vue. Les fumis qui sont beaucoup utilisés là dans ce match pour semer un petit peu le trouble dans l'équipe adverse. Et IKO également, lui, qui couvre depuis la arche et de ce point A, ce qui se passe au niveau de ce middle. Et là, on avait une bonne position pour les joueurs des punchlines qui, eux, à leur tour, tentent de faire le full cap. Ouais, Xia qui tente d'aller défendre ici le C.
Et du côté de IKO, on est en train de défendre également son drapeau. Et pour l'instant, les punchlines qui sont en train de creuser tout doucement l'écart. Franchement, on a vraiment vu une phase de jeu assez particulière. On a vu les web spells qui allaient presque en full cap. Et puis maintenant, on voit les punchlines qui, eux, maintenant, font presque un full cap au niveau contre les web spells. Pardon. Un gros rythme en tout cas dans cette finale de la Coupe de France BF3. L'une de ces deux équipes sera sacrée à la fin de ce match. Meilleure équipe de la saison Battlefield 3, et on saura donc qui des web spells et des punchlines va s'imposer. Et là pour l'instant, petit avantage pris par les punchlines, vous le voyez, avec l'avantage au niveau des drapeaux. On essaye de réanimer et on n'y arrivera pas, c'est dommage, on va perdre un petit peu dans l'histoire. Réanimation, on voit ici en dessous, réanimation, on sent. Il a eu beaucoup de mal à réanimer son coéquipier. X6 qui va tomber au niveau de ce mid, l'IKO qui est pour l'instant solide. Tranquillement au niveau de ce point B qui tient. Ouais, IKO dans le petit spawn, il va tenter. Et on entend FRD là qui fait... Oh, FRD la machine, qui fait double kill, triple kill, quadruple kill de FRD. Énorme action de FRD qui va pouvoir récupérer des munitions et qui vient de déblayer le point B. Littéralement FRD, la grosse action FRD qui continue mais qui tombe. Ah, FRD là qui a fait une grosse action défensive. Après avoir tué deux adversaires, il met deux assists, suppression, deux assists au kill. FRD qui a fait un gros travail défensif sur le point B. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Les web spells continuent à avancer maintenant vers le point C. Ça va prendre un petit peu de temps pour aller essayer d'aller contester le point détenu par les joueurs des web spells. Mais ça risque d'être insuffisant quand même là du côté des punchlines qui ont perdu beaucoup de joueurs d'un coup, quatre joueurs d'un coup. Et donc du coup, là, il y a une vraie brèche. Ça fait vraiment du mal là, côté punchline, une fois qu'on se fait prendre autant de joueurs en un coup. Et donc du coup, les joueurs des punchlines se retrouvent un petit peu dos au mur avec une situation de deux drapeaux contre un à l'avantage des joueurs des Westpel. Et donc il va falloir essayer de garder cet avantage côté Westpel. Et là, du côté des punchlines, on a décidé de passer la vitesse seconde du côté de IKO qui est en duel au niveau de ce L, qui cherche son adversaire. Ouais, IKO en fait là qui est dans le petit bac. En fait, il switch entre le petit bac et le grand bac. Histoire de voir si l'un ou l'autre adversaire décide de continuer sa route par là. Bonne fermeture hein, de la part de IKO. Et ici, voilà, on voit Xia qui fait un bon travail offensif et défensif pardon, sur le C. Et une trentaine de tickets, une vingtaine de tickets d'écart même entre les deux équipes. On va voir quoi qu'il arrive, une finale très serrée. Et ce premier side, par son intensité, on est la preuve. Restez avec nous parce que vous allez suivre tout simplement un très grand match de Battlefield 3. Ouais, c'est un gros match entre deux équipes. Match vraiment au sommet avec des équipes. On peut le dire, vraiment très en forme. Allez, le bon frag de IKO au niveau de ce point A. On va essayer d'y aller du côté des joueurs punchline au niveau de ce point A. Essayer de reprendre possession de deux drapeaux parce que pour l'instant, ce sont toujours les web spells qui sont avec la possession de deux drapeaux contre un. Ouais, pour le moment, les web spells qui remontent un petit peu la tête de l'eau. Ils s'étaient fait tout doucement maîtriser par les punchlines. Et là, ils remontent tout doucement. Mais voilà, IKO qui tente la cape tombe, du flag. Ouais, tous les joueurs des punchlines. Tous les punchlines sont en train de tomber là. Avec un abricot qui vient de faire le ménage au niveau de ce point et qui va donc permettre à son équipe de garder la possession de ce point, de leur respawn naturel aussi, c'est plutôt pas mal pour eux. Tout à fait, c'est bien pour eux de reprendre ce point. Et maintenant, abricot qui va fermer la porte du côté de l'autoroute, vérifier que personne ne fasse un bac autoroute. Ça ferait plutôt mal au webspell si ça se passe, mais heureusement, abricot est là pour vérifier. Et les Westpels qui arrivent à maintenir leur pression, à garder ces deux drapeaux à 1. Les punchers avaient plutôt fait un bon début de partie, avaient gardé un avantage. Maintenant, les Westpels ont inversé la tendance. Si on se revient, on va se retrouver à une situation égalitaire de 70 tickets à 70 tickets, 74 à 74 d'ici quelques instants. On voit vraiment deux équipes qui sont au coude à coude. Et voilà, beau travail défensif d'Abricot qui ferme bien la porte côté autoroute. Et FRD, lui, qui fait le nettoyage au niveau de ce point B, il va essayer d'y aller dans cette ruelle, hein, reprendre possession de ce drapeau. Il va checker qu'il n'y a personne dans son dos, ses coéquipiers sont en train d'arriver avec lui. Il va falloir reprendre par cette banane la possession de ce point B. FRD qui met un bon kill là, mais qui se fait vite arrêter au grand spawn. Peut-être là la réaction des joueurs punchlines, de ses coéquipiers. Oh, le kill la bonne décale et ça fait réanimation derrière. Donc ça, c'est de nouveau une bonne opération côté punchline. Ils vont essayer de reprendre ce point B. Et les joueurs des punchlines qui sont un peu en retrait maintenant au niveau des tickets par rapport aux adversaires. Toujours moins de 10 tickets d'écart entre les deux équipes qui se rendent coup pour l'instant. Ouais, les deux équipes qui sont au coude à coude dans cette finale. On l'avait dit, une finale qui promet beaucoup et c'est...
Oh la boucherie là dans le petit les spawn. Les FRD, oui FRD qui enchaîne. Bien joué là de la part de FRD. Fait encore, encore un bon travail défensif là sur le point B. Vous entendez pas mais FRD vient de crier la sauce en regardant droit dans les yeux ses adversaires. Et maintenant les punchlines qui reprennent l'avantage au niveau des drapeaux, deux drapeaux à un. Ils vont pouvoir inverser la tendance et remettre les compteurs à zéro. Ouais, ils vont pouvoir recoller au score au niveau des tickets également. Et faire tomber très très vite les tickets de leurs adversaires. Et IKAO pendant ce temps-là qui gagne un duel, et FRD qui en gagne à son tour un duel au niveau de ce drapeau, mais qui va tomber. IKAO qui va couvrir, quoi qu'il arrive, ce point B, il va falloir le sauvegarder hein, du côté des joueurs des punchlines, c'est un point très important pour eux. Ouais. IKAO là qui va essayer, ah, dommage, IKAO qui tentait de fermer le grand bac, ah, c'est pas passé côté punchline. Attention, les webspells ont la porte ouverte de ce côté-là. Pas mal de joueurs à terre de chaque côté, difficile de trouver quelqu'un encore en vie. On s'échange pas mal de kills entre les deux équipes et cet échange de kills est plutôt à l'avantage des punchlines qui continuent de garder l'avantage au niveau des drapeaux. Les punchlines hein, qui ont une façon de jouer très très calme, très posée. Les webspells sont peut-être plus énergétiques. Avec IKAO qui va faire un bon kill. C'est bien joué de la part des joueurs des punchlines qui continuent de maîtriser tranquillement le point B. Et ils s'avancent au niveau du point A, mais ils y vont pas trop loin non plus. Hein. Ils mettent une défense haute, mais pas trop non plus, histoire de... Et IKAO qui ferme bien le L. Histoire de pas trop se retrouver en difficulté voilà, si vous venez de perdre des joueurs. Ouais. Et Abrico qui fait un bon kill avec sa grenade. On va essayer d'aller enchaîner au niveau de ce L. Encore une fois une grenade. IKAO hein, qui donne l'information, qui dit attention, ça relance dans le L. Et donc du coup, la défense FRD Exia pour contrôler tranquillement. On check cette sortie banane au niveau du point A et on essaie de contester le drapeau du côté des punchlines au niveau de ce point A pour tenter le full cap. Mais attention, les joueurs des Westfels sont là. Ouais, ouais, attention, côté punchline, ils sont pas tout seuls sur le B. Ils sont en train de se chercher, deux équipes toujours avantage pour les joueurs des punchlines qui maîtrisent ce point B, même si ça commence à être compliqué. Ah, un petit team kill. Un petit team kill là, côté punchline. Allez, les punchlines qui gardent quand même possession hein, de ce point B et qui sont en train de prendre un avantage assez sérieux là, une quarantaine de tickets de plus avec toujours l'avantage de ces zones, de ces drapeaux capturés. Attention, ils vont peut-être pouvoir aller chercher. Ouais. C'est bien joué ça, il va tomber derrière. Ouais, les webspells qui tentent de rusher là, le petit spawn et la cuisine. Malheureusement pour eux, les punchlines sont là, ils défendent très très bien. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment les webspells très, très agressifs. Les Westfels qui vont essayer de reprendre ce point B, il est important pour eux parce que là au niveau des tickets 54 à 8, ils sont en train de perdre des tickets vitesse grand V, il faut absolument mettre un stop à cette hémorragie, reprendre ce point B, mais ce point B est difficile à reprendre, ils vont le neutraliser, ils vont donc mettre un terme à l'hémorragie, mais par contre il va falloir absolument garder ce point maintenant et faire descendre les tickets adverses. Bien, côté Westfels, c'est plutôt bien joué là, la prise du flag, ils ont bien coordonné leur attaque, c'était assez bien joué. Maintenant, côté punchline, il va falloir bien défendre, les joueurs Westfels sont dans le petit spawn. Ils vont très très dur à déloger hein, les joueurs des Westfels. Ils maîtrisent cette position, même si ça commence à être délicat pour eux, ils ont repris ce point B. Et là, ils vont essayer de garder le plus longtemps possible pour mettre vraiment de l'écart au niveau, réduire l'écart au niveau des tickets. Ça semble compliqué pour remporter le side, mais au moins ils pourront la casse. Ouais, et Abricola qui fait un bon back dans le de ce qu'on appelle le petit back justement. Et il se fait pré-shot à travers la tôle. Ça venait de la Cato. Apparemment, il y a toujours deux joueurs dans la Cato. Est-ce que les Webspells vont faire la différence? Côté punchline, ça fait le frag dans la Cato. Oh, c'est la boucherie là, c'est la boucherie. On met des fumilles, on essaye d'y aller. Du côté des joueurs des punchlines, on va reprendre ce point B. On a perdu une dizaine de tickets quand même dans cette histoire côté punchline. Ça sera peut-être des tickets qui compteront tout à la fin de cette partie. Mais Abrico est dans le coin pour essayer de contester, de ne pas laisser ce point B aux mains de l'équipe adverse. C'est contrôlé, il y a 4 joueurs des Webspells qui sont là. Ah, le match qui s'est vraiment emballé là dans les dernières secondes. Attention côté Webspell, il faut bloquer le flag, il faut essayer de le prendre pour pouvoir refaire tomber les tickets côté punchline. 34 tickets à 3, 34 tickets à 3 et vous voyez il y a des réapparitions en plus hein, sur les joueurs des punchlines. Maintenant la fin de map va se jouer clairement au niveau de ce point B. Ouais, et là on voit les deux équipes qui ne veulent pas bouger, ne pas donner de points à l'adversaire et on voit un back qui est fait par IKAO sur le A. Xia qui sort au bon moment, qui va sortir le double kill. Derrière qui va tomber sur le kill de Abrico. Abrico qui va. Abrico qui va chercher ses adversaires. La boucherie là par Abrico sur le grand spawn. C'était bien joué ça. Mais derrière il y a un de ses coéquipiers qui est là. C'est X6 qui en fait un, qui en fait deux, qui en fait trois. X6 qui réanime ses coéquipiers. Et la belle réanimation là de la part de X6 qui permet à son équipe de ne pas perdre de tickets dans cette histoire. Bien joué là, la part des Webspells. Deux tickets
à 31. Deux tickets à 29 maintenant. Les tickets qui tombent à l'avantage des joueurs des Webspell. Mais ça va être tendu, ça va être super tendu cette finale jusqu'au bout. Abricot qui prend possession de ce point B avec l'aide de ses coéquipiers. Ils ont le A, ils ont le B. Et donc du coup, le C, il est entre les mains des joueurs des punchlines. On va voir combien de temps ils arrivent à le sauvegarder, ces deux points, pour faire descendre les tickets adverses. Ouais, ça va être difficile côté punchline de remonter peut-être. Il reste que deux tickets hein, pour les Webspell. Il faut pas qu'ils perdent de flag, les Webspell. Ouais, bon kill de la part de Xia. Xia, le double kill, ouais, c'est bien joué. La réanimation qui va tomber sur ses coéquipiers avec l'aide de toute son escouade. Ils sont les 5 au milieu, au niveau de ce B, les joueurs des Webspell. Ouais, attention, côté Webspell, il faut pas spawn maintenant. Pas spawn maintenant côté Webspell pour pas perdre de ticket. Au niveau de ce B, ils sont en train de le tenir, ce B Abricot qui continue mais qui va se prendre une grenade et ça va être sans doute la victoire sur cette action des joueurs des Punchline de 20 ouais. Petits tickets. Ouais, très beau premier side là pour les deux équipes, ils nous ont montré vraiment du très très beau jeu. Vraiment bien joué là ces deux équipes, on a vu une map bazar jouée comme on l'a jamais vu, les flags qui tournent énormément, vraiment très très bien joué là, de la part des deux équipes. Allez, venez faire part de vos réactions à ce premier side sur le hashtag sur Twitter. CDFB3, vous êtes nombreux à nous mettre, en tout cas pas mal de commentaires, ça fait plaisir. FRD est souligné par beaucoup de joueurs comme quelqu'un qui vient de faire pas mal de dégâts de la part des derniers tweets en tout cas. Ça fait plaisir vos réactions, on les lit en tout cas. Et donc on... Ouais, FRD arrache tout là. On va nous suivre. Finale tendue pour les Webspell. On va donc attendre le début de ce second side avec les Westfall qui vont rejoindre la partie. 20 tickets de plus pour les joueurs des Punchline. Et vous pouvez voir sur le live la coupe qui sera remise au vainqueur de cette dernière Coupe de France de Battlefield 3 avant la prochaine sur BF4. Une belle coupe, ça fait rêver. Mettre un peu plus la pression. La coupe au milieu des deux équipes. Je ne sais pas si tu te souviens l'image de Capé qui soulève la coupe lors de la GA 2012, la victoire avec les AAA contre les GIFR, cette image mythique de Capé qui soulève la coupe. On espère encore revoir bien soit les punchlines, soit les Webspell soulever cette coupe. Quoi qu'il arrive, on aura clairement un très très beau champion de France. Vous l'avez vu à l'image de ce premier side. Les deux équipes qui sont d'un niveau très très proche et qui vont se rendre coup pour coup pour essayer de décrocher ce titre de champion de France. Les Punchline ont sorti les favoris, les Pyrogènes, deux maps secs en demi-finale. On verra donc si les joueurs des Westfield qui ont été dominateurs arrivent à prendre leur dessus sur leurs adversaires lors de cette grande finale dans ce second side. Ah, ça risque d'être vraiment une belle finale à l'image de ce qu'on a vu pour ce premier side, vraiment très très intense. Allez, continuez à nous balancer vos réactions sur Twitter, le hashtag CDFBF3. On nous dit que les Punchline sont chaud patate, super dynamique. Ce premier side, nous dit-on également du côté de Ibo Bubu, GGO, deux équipes côté Rider. Sa défense nous dit Mr. Fashion, Gria est une bête côté Pipou, FRD et Abricot sont solides, nous dit Benoît. On nous dit du côté de Descartes que les Webspell, bah c'est toujours bien pour ce bien joué. À mon avis, on a oublié un petit E dans le clavier. C'est bien joué les Webspell. Très belle finale, nous dit Antoine, qui est là depuis deux jours, hein, qui balance ses tweets sur ce hashtag. Faites de même sur le hashtag CDFBF3. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre durant ces deux jours. Et demain, ça continuera cette Coupe de France BF3. On passera des PC au Xbox avec les deux tournois consoles, PS3 et Xbox, qui auront également le droit à leur champion de France. Ouais, on a beaucoup, beaucoup de réactions de soutien là, pour les punchlines, mais également pas mal de réactions aussi de soutien envers les Webspell. C'est là qu'on voit vraiment qu'il y a, vraiment deux équipes au coude à coude. C'est vrai que Victor nous signale, c'était chaud, bien joué aux punchlines qui ont extraordinairement bien défendu. C'est clair qu'ils ont été solides sur ce point B, les joueurs des punchlines. Ouais, vraiment. Ils l'ont perdu, ils l'ont maîtrisé en début de partie et ils l'ont repris facilement, on va dire, en fin de partie, et après ils l'ont pu lâcher. Ah, c'était vraiment, vraiment très très bien joué
la part des punchlines. On va donc attendre un RR du serveur. Et après, on pourra y aller. Les deux équipes sont-elles prêtes? Les punchlines et les web spells sont prêts. Les punchlines, les web spells sont prêts. Vont pouvoir nous balancer les RR, les admins de l'ESL qui ont été tout au long de ce tournoi présent, de cette Coupe de France avec les coupes online et les coupes offline. Leur staff qui a organisé tout ça et on a eu le droit, grâce à eux également, à un super beau spectacle. Et c'est parti pour ce second side de cette map bazar. On va inverser les positions. Il y a donc une trentaine de tickets à remonter hein, du côté des Westpels, ouais. C'est faisable. Une vingtaine même, il me vingtaine, semble. Ouais. Une vingtaine de tickets côté Westpels à remonter. C'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Allez, c'est live. Les punchlines en US, les Westpels en russe. Avantage pour les Westpels pour arriver sur ce middle. On va voir s'ils arrivent à le prendre et arrivent à le garder surtout. Ouais, de ce côté US, du côté russe, attends, que je ne dise pas de bêtises, les punchlines qui commencent en US. En US, voilà. Les punchlines en US. Et là, on a eu un bon spawn hein, quand même pour essayer d'aller contester du côté Xia ce point B. On va voir ce que ça va donner. Il va arriver très rapidement par ce L, voir ce qui se passe au niveau de ce middle. Il va avoir une bonne position. On va voir s'il arrive à faire quelque chose. Un Brico qui part déjà dans le petit bac. Allez, c'est parti, au niveau de ce middle, c'est IKO qui allait faire un point, un kill au niveau de ce B, le A et le B, qui sont en train d'être pris par les joueurs des punchlines, le C qui va passer aux mains des joueurs des Westpels, c'est les spawns logiques, voilà, donc il n'y a pas c'est... de problème au niveau des drapeaux, mais le B qui est pris par les punchlines. B, oui, logiquement pris par les punchlines, il faut que les Westpels viennent chercher le flag maintenant. Allez, les joueurs des punchlines qui ont pour l'instant... La ferme attention de tenir ce point B. On va aller checker les relances au niveau de l'extérieur, hein, du côté des punchlines. Checker l'autoroute, la route pourrait éviter des mauvaises surprises, des mauvaises rencontres et les backdoors ouais, des c'est joueurs tout adverses. À fait. Là, c'est le boulot d'IKO d'aller checker l'autoroute. Allez, ils vont essayer d'y aller. Attention, IKO qui donne l'information de autoroute. Pendant ce temps-là, ça bataille toujours sur le B, mais passons là sur l'autoroute. Deux joueurs Webspell sont attendus là au niveau du pont par les punchlines. C'est straté hein, clairement par les joueurs des Webspell pour savoir que si on n'arrivait pas à prendre ce B directement, recontester le B, on allait jouer le backdoor au niveau de ce A, mais ils sont en train de se faire backdoor eux aussi au niveau de leur C. Ah, et ça va se jouer, hein, comme on disait, beaucoup sur les backs avec des flags qui tournent. Le B toujours... aux mains des punchlines. Allez, Xia et FRD qui sont en train de checker ce point B. Les punchlines qui peuvent tenter et peut-être réaliser la full cap hein, de tous les drapeaux. Ça va être compliqué, mais on voit beaucoup de joueurs des Westpels qui sont à terre. Au niveau de ce point B, tranquillement installé, c'est FRD qui va s'installer, sécuriser ce drapeau. Ils ont le B et le C, le A est en possession des joueurs des Webspells, mais les joueurs des Punchlines qui font comme tout à l'heure un très bon début de série. Ouais, FRD qu'on avait vu très très bien là, sur la défense du B. Allez, il a vu FRD, un joueur Webspell, passer dans le petit spawn. Là, il va l'attendre, il sait où il se trouve. Ouais, allez, Abricot qui a fait un kill au niveau de ce marché. On va peut-être réussir à même faire la réanimation sur son coéquipier. On va prendre en possession ce point C. Les deux équipes qui restent concentrées vraiment pour maîtriser les différents points. Il y a lui qui va camper également ce point B. C'est important pour eux de ne pas le perdre. Ouais, on a tous les drapeaux qui clignotent. On va voir dans quelques instants comment vont s'en sortir les deux équipes après leur duel sur les flags. Ouais, c'est là le B qui est en train de se faire disputer par les punchlines qui vont caper le B finalement. Deux flags, certainement à l'avantage des punchlines. Et les punchlines qui ont pris un bel avantage au niveau du ticket, une trentaine de tickets de plus que les joueurs des Westpels. Là, ils sont en train de mettre la pression sur les joueurs des Westpels, les punchlines qui sont vraiment bien dedans. Ouais, les punchlines qui mettent la défense assez haut hein, au niveau du B. Abricot qui va aller gagner son duel sur Red. Il va peut-être pouvoir tenter de prendre ce point A. Ça serait bien joué pour lui. Peut-être une réanimation. Non, c'est pas possible pour son coéquipier. Et lui, il va essayer de neutraliser quoi qu'il arrive ce point A. Et pour derrière, stopper l'hémorragie ouais. Au niveau de la perte des tickets. On fait la même chose au niveau du point B. Ouais, les grenades préventives dans le L. Côté Westpel. Oh, la camionnette qui explose. Oh, Jika qui détruit la camionnette et qui explose complètement Abricot.
Et l'abricot là qui a fini en compote dans cette histoire. Dénoyauté l'abricot. Et Capi qui va faire un bon kill derrière au niveau de ce point-là. En tout cas, il y a un drapeau qui est neutralisé par les webspells et les autres drapeaux clignotent encore également. Il n'y a personne qui perd de tickets dans cette histoire. Ah, c'est pour juste le moment, personne. Ouais. Pas d'avantage donc pour les deux équipes. Les punchlines qui sont toujours un peu devant, n'empêche, dans ce side. Et ils continuent de maîtriser tranquillement les joueurs des punchlines. C'était pas à eux de faire le jeu. Hein. Maintenant, c'est à leurs adversaires, clairement, d'aller faire la différence. Malicium qui essaye de, au niveau de ce point B, réanimer son coéquipier, de faire le kill. Et Malicium qui va tomber. Malicium qui tombe. Exact. Bonne opération là, côté punchline, pour tenter d'aller prendre ce B très très important. Ikao là qui est présent au niveau de ce middle qui va tomber sur le. Ça sort de la banane, attention là côté punchline. Les webspells sont en train de sortir de la banane. Mais c'est la bonne défense là, de la part des punchlines sur le B. Xi en difficulté au niveau de ce C qui se fait calmer directement par un adversaire. Au niveau des tickets, des tickets et des drapeaux, c'est les punchlines qui continuent à avoir un avantage avec deux drapeaux à un. Et toujours bientôt une cinquantaine de tickets d'avance. Hein. Ils ont remporté le premier set d'une trentaine de tickets. Ils sont clairement en train de prendre le dessus sur les webspells dans cette première map. Ouais, c'est plutôt, comme on le disait, bonne opération pour les punchlines qui confirment la domination là, contre les webspells. Et moins de bananes, nous dit-on, oui, parce qu'on a fait le ménage du côté de Xia. Et donc du coup, on va aller peut-être foutre le bordel sur le point C des joueurs adverses avec les webspells qui vont peut-être se retrouver sous pression au niveau de ce point. Si les webspells perdent le C, ça va être difficile pour eux. Par contre, là, ils sont en train de contester le A. Bonne opération, ça va éviter de perdre trop de tickets pour les webspells. C'est parti pour un mode drapeau qui clignote entre les deux équipes. On va échanger les spawns, clairement. Et là, Xia qui va faire un bon kill, une réanimation sur un de ses coéquipiers. Pas de souci au niveau de cette boucherie. On est tranquillement installé. On est prêt à faire pendre les cadavres des joueurs des webspells. Pour l'instant, ils se cherchent les joueurs. On check les spawns. Hein. Ouais, pour le moment, on check les spawns. On sait d'où les joueurs adverses peuvent arriver. Les deux équipes ont beaucoup straté ces maps, donc ils savent où peuvent spawner leurs adversaires une fois qu'ils sont en train de caper un flag. Allez, Ikao qui est en train de faire le ménage à son tour, au niveau de ce point-là, qui sont en train de caper le drapeau. Le point B qui est sécurisé pour les joueurs des punchlines. Ils sont en train de perdre le point C. Ouais, Ikao qui s'est fait prendre par derrière. Ouais. Il y a Xia aussi qui défend quand même, qui est là quand même présent derrière pour prendre le revenge sur Abricot et garder possession de ce point. Et voilà, les punchlines là, qui prennent un énorme avantage. Ils ont deux drapeaux, ils sont en train de contester le troisième. Ils vont bientôt être en situation de full cap avec tous ces duels qui sont gagnés par les joueurs des attention, côté webspell, pas se laisser emporter. Jouer calmement. Les punchlines sont vraiment très très solides là sur ce side. Allez, du côté de Capi, on va aller faire un bon kill, on va essayer de réagir un petit peu parce que là on est un petit peu dans la tourmente côté joueur des OSPL. Il faut absolument passer la première, essayer de repartir en avant Néo parce que là ça commence à être délicat. Ce point C il est important. Là c'est délicat, il faut absolument caper le C pour pouvoir espérer remonter le déficit de tickets. En tout cas, les webspells ne se laissent pas aller. Côté punchline, on est toujours un peu plus haut au niveau des tickets. Mais côté webspell, il faut pas se laisser aller. Ça bougera plus ce point A qui va être pris par les joueurs des punchlines. Il va être très très compliqué à inverser la tendance du côté des joueurs des webspells. Ils sont en difficulté. Oh, Ikao ! Ikao qui fait un très beau frag là contre Abricot qui met un headshot magistral là derrière, sur Ikao qui se trouvait derrière le bloc. Et les punchlines qui repartent à la conquête en plus du point B avec FRD à l'image qui check le spawn adverse. Au niveau de cette piscine, il a repéré un joueur au niveau de la boucherie et il va faire le kill. FRD qui est très très bien placé pour vérifier la sortie de la Kato. Kato qui est cette espèce de petit garage qu'on voit juste dans le viseur de FRD. Et Xia qui est là pour aider son coéquipier. Ils sont à deux, ils sont même à trois les joueurs des punchlines, même à quatre avec le joueur là-bas bien positionné en face au niveau de la piscine. Et ils vont prendre ce point B les joueurs des punchlines. Les punchlines qui sont de nouveau en train de recapturer ce B, c'est pas facile, il me semble qu'il y a pas mal de joueurs webspell sur ce B. Ouais, c'est justement sur les webspell. Hein. Ouais. Il y a un joueur qui est là, ils sont en masse les deux équipes, le point ils sont 4 webspell sur le B.
Le point capital pour les deux équipes, il faut absolument pas le perdre. Abricot qui est également là présent. C'est dur pour les deux équipes. Attention, parce que là, ça va se jouer sur les bacs. On a quatre joueurs de chaque équipe qui se trouvent au niveau du B. Ça va jouer sur les bacs. Le dernier joueur de chaque équipe qui va tenter de venir faire un bac et de faire la différence sur l'équipe adverse. Oh, Xia qui est en train de démonter un par un les joueurs. Des Westpay, il est solide au niveau de ce B. Il est en train de faire la différence là, clairement. On va pouvoir prendre ce drapeau sans doute côté des Westpay. Xia qui va finalement tomber sur le kill 2x6, mais ils ont bientôt plus de munitions, hein, les joueurs des deux équipes. Oh, attention au côté Webspell, ça rush sur le petit spawn. Il faut y aller. Ah là là, c'est bien joué. Bien joué de la part des Webspell qui font un rush bien coordonné là sur le petit spawn. Et là, c'est important là pour les joueurs des Punchlines de réagir parce qu'ils se retrouvent full KAP. Ils sont en difficulté, ils ont certes l'avantage au niveau des tickets, mais ils sont en train de perdre tous les drapeaux. Et là, les tickets, ils vont descendre très rapidement. Ouais, côté punchline, il faut tenter la relance sur l'un ou l'autre flag. Là, il n'y a vraiment pas la solution. Les Webspell sortent duel. Ça, c'était attendu côté punchline. FRD qui était plutôt bien placé à la sortie duel. Il va se mettre un petit peu plus loin, histoire de garder l'avantage sur son adversaire qui va sortir duel. Et là, ils font une superbe opération, les joueurs. Des Westpays sont en train de vraiment réduire l'écart avec leurs adversaires. Et là, il faut qu'ils maintiennent la tendance. Ils ont à peu près une vingtaine de tickets maximum à perdre pour essayer de remporter cette première map. Et là, ils ont tout simplement les trois tickets, les trois drapeaux. Et ils tiennent les Westpays pour l'instant. Ouais. Et les Punchlines, là, maintenant, qui tentent la relance peut-être au niveau du A. Peut-être un bac du B, on ne sait pas encore. En tout cas, c'est... non, là, on a Capi qui vérifie bien la route. Mais pour l'instant, ça tient côté Westpell, toujours ces trois drapeaux, les tickets, vous êtes en train de le voir à l'écran, qui sont en train de fondre très très rapidement. Il n'y a plus qu'une trentaine, quarantaine de tickets d'écart entre les deux équipes, alors que tout à l'heure, on n'était pas loin des 80. Ah ouais, c'est ce qu'on disait, hein, quand on se fait full cap comme ça, il faut réagir très très vite. Les tickets tombent extrêmement vite quand on se fait prendre un full cap. Ça fait très très mal, et vu qu'on a que 150 tickets, il faut vraiment réagir très très vite. Et en plus, on a des Abricot et Capi qui tiennent super bien leur drapeau et qui bloque toujours l'avancée des joueurs des Punchlines. Ça a commencé à se tendre dans les têtes des joueurs des Punchlines qui doivent se dire on est en train de subir clairement la férocité des joueurs des Webspell. On n'a pour l'instant pas de solution dans le jeu pour s'en sortir. Côté Webspell, on est vraiment très très bien en place. Là, FRD qui temporise tout doucement au niveau du A. Et ça tient toujours du côté des joueurs des Webspell. Ces trois drapeaux, un coup c'est le A qui clignote, un coup c'est le B, un coup c'est le C, mais à chaque fois ils arrivent à tenir, à contrer les assauts des joueurs des Punchlines, les Webspell qui sont vraiment bien dans la partie. Par contre là, Xia qui arrive à gagner enfin un duel, faut essayer d'en profiter pour aller prendre un drapeau là du côté des Punchlines, mais c'est dur. Ouais, une fois qu'on met l'un ou l'autre kill, il faut essayer d'avancer. On est en supériorité numérique, il faut tenter d'avancer là côté Punchline pour reprendre l'avantage. Ou en tout cas éviter de perdre trop de tickets, essayer de faire tomber un maximum de tickets à ces Webspell qui pour le moment sont en train de faire une très très bonne opération. Les trois drapeaux qui clignotent. On va bientôt se retrouver à un statu quo dans ce second side avec des deux équipes qui vont être dos à dos. L'énorme réaction des Westpell qui est en train de payer, même si là ils sont en train d'être en difficulté sur certains des drapeaux. Ça va être tendu jusqu'au bout cette première map. Les deux équipes qui sont désormais dos à dos, 48 tickets partout. C'est vraiment un match sous tension là pour les deux équipes. On voit vraiment deux équipes au coude à coude vraiment. Sur ce premier side, on n'avait pas vu d'équipe prendre le dessus. Et là non plus, hein, on a les Webspell qui ont pris une petite avance et maintenant les Punchlines qui reprennent un peu du poil de la bête. Et là, du coup, c'est ce point B qui va redevenir au centre des attentions de tout le monde. Essayer de reprendre ce point B, cette ruelle. Et c'est Abricot qui doit faire absolument un kill parce que ses coéquipiers ont besoin d'être réanimés. Il va réussir à en sauver un sur les deux et aller checker le L. Côté Webspell, on est en train de faire la bonne opération. Attention de ne pas perdre le A. Les Punchlines sont en train de contester ce flag. Il va falloir vraiment sortir la calculette des deux côtés. Le duel qui est important à gagner. Et il arrive à le faire, Xia. Dans la difficulté, la dernière balle du chargeur pour faire le frag. Il repère notre adversaire. Il va peut-être faire le kill, mais c'est compliqué avec Abricot, le duel des deux joueurs. Ah, vraiment, les deux joueurs là qui se sont livrés un duel assez compliqué. Et il y va, Abricot. Il va essayer de prendre son adversaire dans le dos, de tenir ce drapeau, mais il va tomber sur le kill adverse. Dommage là pour Abricot qui était plutôt bien parti. Les Punchlines qui ont repris à leur tour leur avantage. Ah, encore une fois la camionnette qui explose. Cette fois-ci, c'est pour Ikao. Barbecue!
Alexia qui arrive à régner en maître au niveau de ce drapeau, qui va faire un nouveau frag au niveau du A. Et les punchlines, ils ont perdu le B, certes, mais ils sont en train de, ils ont le A et le C qui clignotent. Ils sont en train de refaire la course devant 31 à 34 au niveau des tickets. Ah, ça va être très tendu au niveau des tickets. Il va falloir vraiment sortir la calculette. On va faire le kill en plus au niveau du spawn. Ah, Ikao qui vient de défendre le drapeau, de faire un bon move offensif là sur le petit spawn. Et là ils sont en train de reprendre le point B, les joueurs des punchlines, alors que ça communique beaucoup entre les deux équipes. Les punchlines qui se retrouvent avec deux drapeaux à 1, 31 tickets à 30, ils ont repris l'avantage. Ah, côté punchline, on est plutôt bien maintenant avec deux drapeaux à 1. Il y a eu cette petite phase où on s'est dit les Webspells sont vraiment dominateurs avec ces trois drapeaux capés. Et puis finalement, ils ont réussi à se sortir de l'orage. Hein. Les joueurs des punchlines sortent la tête de l'eau. Et maintenant, ils reprennent la tête. Ils sont en train de s'envoler pour la victoire. 21 tickets seulement restant côté joueurs des Webspells. Ça sent la victoire dans cette première map pour les punchlines. Ah, attention, un punchline, pas perdre trop de tickets. Webspell, il faut venir chercher le frag. Il faut venir chercher le flag également pour recoller au score. Et les joueurs des punchlines qui s'envolent dans cette première map. Il ne reste plus que 16 tickets et tiennent toujours deux drapeaux à 3. Et là du coup 30 à 14, les joueurs des punchlines qui vont remporter la première carte de cette finale de la Coupe de France BF3 de cette grande finale. Ouais. Et pour le spectacle, hein, JK qui dit on ne lâche rien. Jusqu'au bout, on ne leur laisse pas aux joueurs. Ça montre bien, ça montre bien la mentalité punchline jusqu'au boutisme. Vraiment ne rien lâcher, garder la pression, garder le mental. Et côté Webspell, il faudra être fort pour aller chercher ces punchlines. Allez, Webspell qui vont quand même reprendre l'avantage au niveau du middle, aller chercher ce point B. Ils vont préférer descendre les tickets adverses, 10 tickets à 17. Les joueurs des punchlines qui auront mieux géré les temps faibles que les Webspell. Et finalement, même s'il n'y a pas eu de full cap côté punchline. Et FRD qui sort le sniper là. Est-ce qu'il va réussir à faire un kill? Ça peut être plutôt pas mal. Allez, FRD qui va chercher le kill peut-être au sniper sur le B. Voilà, ah, dommage, dommage, c'est pas passé loin. Il cherche la tête de son adversaire. Mais ah, dommage, FRD qui était plutôt bien placé avec son sniper. Et du côté des Westfell, on va essayer d'aller reprendre, de gagner ce second side, au moins pour le mental, au moins jusqu'au bout, 7 tickets partout. C'est étiqueté partout, mais les punchlines ont un drapeau en moins. Ça va donc être sur ce second side la victoire des Webspell, mais ça ne sera pas suffisant pour les Webspell après la défaite dans le premier side. Très très belle défense et remontée des punchlines. Très très belle, hein. Très belle première map qui tout simplement qui tient ses promesses. On voit deux équipes au coude à coude et c'est le GG pour les punchlines qui gagnent la première map. Prochaine map, ce sera... Attention, au son de nos petits papiers. Donc ça sera la map des Webspell. On ira donc en tant qu'équipe B sur pic. De dame avant. Et vous voyez, 7 tickets de plus pour les Webspell qui s'inclinent donc sur le score de 20 à 7. Énorme première map, énorme suspense. Très, très belle première map. Et très très gros niveau de jeu. Un petit tour sur Twitter. Un petit tour sur Twitter avec le hashtag CDFBF3 pour tous vos commentaires, toutes vos réactions cette première map de la finale de la Coupe de France de Battlefield 3. PayTank qui écrit Xia met des grosses baffes. C'est vrai qu'on a vu un Xia très très bon là, plutôt sûr de lui, qui a sorti le snipe en fin de partie, histoire de se mettre bien en confiance, de montrer que voilà, il est là. La finale sera enregistrée et sera mise sur YouTube juste après à la rencontre. Vous pouvez la retrouver sur le YouTube LDLC Gaming. Il y a déjà trois rencontres qui sont en ligne sur la chaîne YouTube de Team LDLC Gaming. Et c'est parti donc pour cette deuxième carte. Pic de dame avant, la deuxième map de cette grande finale de la Coupe de France BF3. Les joueurs des punchlines ont la main mise, ont un pied sur la première marche du podium. Maintenant, il faut mettre le deuxième en remportant l'une des deux cartes restantes dans cette grande finale. Et les Webspell, eux, cette map, ils la maîtrisent, on l'a vu. Ils ont un super side sous le côté russe, il me semble, où ils arrivent ici, vraiment côté, côté US, attention, côté US, les punchlines vont arriver très très vite sur la A et puis sur le B. Ce sera alors Webspell, côté russe, d'aller chercher les punchlines sur ce B. Banzai oui, on voit le saut... du spawn qui est toujours assez impressionnant.
Et c'est parti. Allez, les joueurs des punchlines qui doivent partir conquérir ce point B, ils vont prendre directement en possession du A. Ça va être intéressant de voir comment les joueurs des Webspell vont se positionner pour défendre ce point B, parce que vous le voyez, ils vont arriver un peu plus en retrait que leurs adversaires au niveau de ce point B. Ils vont devoir partir rapidement à la contestation ou le laisser tout simplement à leur adversaire et contourner, prendre le premier point adverse. Et la conteste du point B, voilà, Ikao qui fait un bon, excuse-moi, Ikao qui fait une bonne décale là sur le pont et qui va permettre à son équipe d'avancer sur le B et sûrement de faire la cap. On a toujours ce style-là avec un joueur un petit peu plus haut pour protéger la cape du drapeau. Et là, Ikao apparemment a spot un joueur Webspell qui tente de faire le contournement et peut-être d'aller chercher le A côté. Les bonnes fumées. Ça, c'est la bonne fumée de la part de Abricot pour vraiment cacher toute visibilité aux joueurs adverses au niveau de ce point et pour tenter la reprise, la repère à l'adversaire. Ika, notre ami Abricot, mais il n'a pas réussi à faire le kill. Et ça, c'est plutôt dommage. Et FRD au niveau de l'extérieur qui cherche un kill et qui va faire le fracture. FRD qui fait un double kill. Beau frag. C'est bien joué, il a repéré un troisième joueur. Il va. FRD qui fait le moins 4. Très très stable là, FRD qui enchaîne encore le frag là, sur la route. Et là, les punchlines qui vont directement, qui ont ce middle et qui partent directement à l'assaut de ce point A. D'aller tenter directement le full cap, ils viennent de faire tomber 4 joueurs adverses. Ils ont donc une énorme opportunité d'aller chercher les 3 drapeaux de cette map. Ah oui, il est possible qu'il y ait 3 joueurs et que ça s'est joué à une réanimation. Maintenant, en tout cas, il y a eu beaucoup de joueurs côté Webspell qui sont tombés. Comme on l'a dit, hein, FRD là, qui a fait une grosse différence au niveau de la route. Les Webspell qui pensaient contourner justement par cette route. Mais c'était sans compter FRD qui les attendait de pied ferme. Et là, ça va être compliqué à sortir pour les joueurs des punchlines. Ils sont en situation délicate. Ils sont agressés bien haut par pour les joueurs des Webspell. Ça va être compliqué pour sortir parce que les punchlines les agressent très très haut. Ils ont le contrôle du A, ils ont le contrôle du B. Ils neutralisent le C en plus. C'est tranquille pour l'instant hein, pour les joueurs des punchlines. Ouais. Et les punchlines très incisifs, très 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 agressifs là sur ce side qui vont pousser vraiment les Webspell dans leur spawn. Les Webspell qui vont tenter ici de passer par le préfabriqué, mais notre Xia est là, il les attend. Et Abricot, lui, qui va TK son coéquipier Ronnie, ça c'est dommage de la part des joueurs des Webspell. On perd quelques secondes, même si elle a la réanimation juste derrière. Ah, ils sont trois Webspell à tenter de full cap qui est mis pendant ce temps-là par les punchlines. Ah, il faut que les Webspell se sortent de ce mauvais pas. On a 3 joueurs Webspell là. Ils vont chercher les spawns en plus, les joueurs des punchlines, pour mettre la pression sur leurs adversaires. Mais attention, quand même des joueurs qui ont réussi à s'infiltrer, hein, notamment du côté de Abricot, du côté de Exis ou de Malicium, qui ont des bonnes positions pour s'en sortir. Ça va être compliqué à garder ces 3 drapeaux du côté des punchlines et le kill peut-être. FRD qui a bien attendu que son adversaire soit à portée de tir. Il n'arrive pas à enchaîner le double kill, mais pour l'instant, ça suffit pour maintenir la pression sur les joueurs des punchlines, des Webspell. Abricot au niveau de ceux qui sécure le drapeau. C'est déjà ça, en tout cas, pour s'en sortir de cette pression côté Webspell. Ouais, Abricot qui a fait un bon travail offensif, là. Allez, situation de 96 tickets seulement restant côté Webspell, 146 encore du côté des punchlines, les punchlines qui font un énorme début de seconde map. Ouais, bien joué là, de la part des punchlines qui mettent vraiment la pression dès le début de match sur les Webspell. Enox, la Tipiro nous l'avait dit, les punchlines sont très très bons sur Téhéran et apparemment ils n'avaient pas tort. Vous voyez les kills qui pleuvent au niveau de ce B, les Webspell qui essayent de le reprendre avec un Nexus qui a fait un bon kill. Du coup, on va pouvoir couvrir le pont, essayer de checker les positions hautes pour voir s'il y a un des joueurs adverses qui vient contester la capture de ce point B. Pour l'instant, personne à l'horizon. On va pouvoir sécure le drapeau côté Webspell et essayer de se sortir de la pression de l'étau des joueurs adverses parce que pour l'instant, on a toujours 70 tickets d'avance du côté des punchlines. Ouais, et Abricot qui protège toujours ce point A. Et qui met de la suppression là, sur le joueur punchline qui se trouve au niveau du pont. Et là, on fait des bons kills hein, du côté des Westpel et des punchlines. On est en statu quo, on repère du monde là du côté de Capi. On va voir, on va se mettre sur Capi, c'est compliqué pour lui. Il a fait une assistance à un adversaire. On essaie de se chercher encore pour l'instant, pas de kill qui tombe. Mais les joueurs des Westpel là qui reprennent un peu du moral parce qu'ils tiennent 2 drapeaux. Ouais, bien joué là pour les Westpel qui vont peut-être remonter un petit peu leur.
leur déficit au niveau des tickets face au punchline, une équipe punchline qu'on a vu très très agressive en ce début de partie. Et Capi qui toujours reste au niveau de cette route pour checker ce qui se passe au niveau de ce B. Il va aller se mettre peut-être dans le préfabriqué pour prendre une bonne position haute qu'on a vu tout au long de ces deux jours, qui est importante à bien tenir. En plus, le bon kill là qui part signer Capi. Un Capi qui s'est retourné vraiment, à mon avis, il a dû avoir l'info sur TS. Allez Capi qui arrive à enchaîner, c'est bien joué de la part de Capi. Là qui check ses drapeaux, qui tient ce B. Et pour l'instant, le B il est safe hein, du côté des joueurs. Ouais. Des Webspell. Ah, il a vu que le B ne clignotait plus, donc du coup le drapeau est safe, pas de joueur ennemi sur le drapeau. Bien joué là, bonne défense de Capi depuis ce préfabriqué. Et là tu vois, il y a vu que le point C qui est maintenu par les joueurs des punchlines. Et du coup les Webspell, ils vont rester en défense haute au niveau du A, au niveau du B, mais ils vont pas non plus avancer trop à un trop gros push pour vraiment laisser la pression et essayer de garder le contrôle de 2 points sur 3. Ouais, on est de nouveau avec Capi là dans ce préfabriqué qui fait une bonne défense du point B. Il a repéré le joueur là sur le pont. Des kills à distance qui sont quand même assez énormes hein, des deux ouais. Côtés. Hein. On envoie quand même du lourd. Hein. Ouais, des joueurs qui arrivent vraiment à maîtriser leur recul à la perfection. Allez, FRD qui vient de faire un nettoyage au niveau de ce point B. Il faut réagir absolument du côté des punchlines. FRD qui tombe face... au joueur punchline, au joueur Westfell. Malicium, ouais. Et le point A qui est en train d'être récupéré par les joueurs des punchlines, là, à l'instant, devant l'écran. Ils sont plusieurs, les joueurs des Westfell, ouais, pour essayer de contester. Ouais, les Westfell qui Capi sort. Triple kill. Ouais, Capi qui fait un très très bon travail offensif sur le A et qui permet à son équipe de respirer un petit peu. Ils étaient deux des punchlines sur le A et Capi donc, qui fait ce double kill. Et Abricot qui arrive à enchaîner, un nouveau frag. Abricot qui repère l'adversaire, oh, attention la réanimation quand même. Et Abricot, le bon kill sur Red. Et du coup, les deux joueurs qui ne pourront pas se réanimer, ça va être des tickets qui vont tomber en plus dans l'escarcelle des joueurs des Webspell. Ah, vraiment très très bon travail de la part des Webspell là, sur cette partie. Ils sont encore en déficit au niveau des tickets, mais ils sont en train de reprendre le B, les Webspell. Ils ne sont pas loin de tenter la full cap, les joueurs des Webspell, pour l'instant. Va voir si Xia FRD arrive à défendre justement ses drapeaux avec IKO également. IKO qui n'est pas vraiment bien rentré hein, dans cette finale. Pour l'instant, il est un petit peu plus en retrait que ses coéquipiers Xia FRD, par exemple, ou JK qu'on avait vu un peu plus en retrait par rapport à lui sur les matchs précédents. Et là, IKO, il est moins dedans. Hein. Ouais, IKO qui est un petit peu moins dedans. Voilà, il faut le temps un peu de se chauffer pour IKO. On sait très bien que IKO peut nous proposer de très très bonnes séquences de jeu. Allez, ça tient le A quand même du côté des Webspell. Les Webspell qui tiennent les extrémités pour l'instant, le A et le C qui empêchent en tout cas leurs adversaires de le reprendre. Et ça, c'est toujours pas mal pour eux. C'est une bonne opération. Ouais, et les punchlines. Attends, qu'est-ce que j'ai dit moi ? FRD qui fait nettoyage. Voilà, qui tente de capturer le A pour les punchlines peut-être. Mais regarde, il y a Abricot hein, qui est là également au niveau de ce point A. Ouais. Lui, il est parti au niveau du A. Il est toujours au niveau du A. FRD, IKO. Qui doit absolument réagir à les punchlines là qui sont en train tout doucement de voir leur écart. Ah ouais, le joueur Webspell qui se trouvait dans le bâtiment qui a bien défendu là. Ouais, c'est Abricot qui était solide au niveau de ce point A et qui est toujours là pour faire les killer. Abricot, attention, ouais, Abricot dans le garage, bien joué. Bonne défense là pour les Webspell sur le A qui permettent tout simplement aux Webspell de garder l'avantage au niveau des drapeaux et de recoller tout doucement au score. Il n'y a plus que 20 tickets d'écart. Hein. Ouais, plus que 20 tickets d'écart, ça va se jouer de nouveau à pas grand chose. Les deux équipes qui vont devoir encore une fois sortir le grand jet dans cette seconde map. Et on part à la contestation de ce point B1 du côté des joueurs des Westfell avec un bon kill qui est pris par X6 sur un joueur adverse. Et vous le voyez, les joueurs des Westfell qui sont en train de prendre possession de ce point B et qui vont reprendre une nouvelle fois deux drapeaux à un. On reprend l'avantage au niveau des tickets qui vont descendre. Ah ouais, les Westfell qui vraiment maîtrisent tout doucement la partie. Face à des Webspell qu'on avait vu, je le répète, hein, mais de nouveau très très bon en ce début de partie. Voilà, petite reprise là, de confiance du côté des Webspell. Et du coup, X6 qui gagne en mettre au niveau de ce middle, qui va aller se positionner au niveau de ce préfabriqué sans doute, et contrôler tranquillement leur drapeau. Et vous le voyez, les Webspell, ils vont tout simplement passer d'ici quelques instants en tête, puisqu'ils ont deux drapeaux à un. Oh, le bon kill de Xia. Ouais, et FRD aussi. X6 qui s'est fait arrêter sec là. Et FRD là, qui fait un bon kill. Allez, FRD qui sème la révolte.
Il n'y a que lui maintenant qui peut réagir, hein, parce que ses deux coéquipiers, Ikao et Rixia, sont à terre. Et FRD, attention à ne pas tomber. On a fait les bonnes réanimations, hein, du côté des joueurs des Westfeld pour continuer à maintenir la pression au niveau du préfab. Ouais, on sait, hein, côté punchline, on sait qu'il y a un joueur Westfeld dans ce préfabriqué. Il faut absolument soit le fumer, soit le décaler. Mais il faut faire quelque chose. Et pour l'instant, les joueurs des Westfeld qui sont en train de revenir à hauteur des adversaires, ils passent même devant maintenant. Et les punchlines, voilà, qui comprennent et qui utilisent finalement les fumis sur le préfabriqué, abricot, hein, qui descend tout doucement du préfabriqué. La fumée qui a fonctionné. Et abricot qui a fait un bon frag sur Xia. Xia est à terre. Toujours les Westpel solides pour l'instant sur cette fin de première map, de premier side, deuxième map. Ils sont toujours là, ils sont même en train de venir contester le point C de l'équipe adverse. Et les Westpel qui sont pour le moment devant les punchlines au niveau des tickets sur ce premier side de terrain. Et ça sent bon côté Westpel pour la réaction, pour essayer d'aller chercher cette troisième map, en tout cas remporter ce side. Ouais, les Westpel, hein, qui reprennent tout doucement la main par rapport à la première map. C'était pas une grosse défaite. Ce n'était pas une grosse défaite sur la première map. Du coup, voilà, ils ont pu reprendre un petit peu confiance là sur ce premier side. Et voilà, les Westfeld, voilà, qui campent les positions, qui ferment un peu toutes les portes et qui empêchent tout simplement les punchlines de passer. Exis, lui, il couvre sa route, tranquillement caché derrière les poubelles. Il arrive à prendre les duels. Abricot, lui, va pas lâcher son préfab. Capi également a une bonne position. Il garde tranquillement la sortie spawn. Ils sont vraiment bien en place. Hein. Ils vont pas tenter le A. Ils vont juste prendre les kills et faire diminuer les tickets. Alors, Exis, voilà, qui avait eu l'info, sûrement d'une incursion de l'un ou l'autre joueur des punchlines au niveau de ce A. Et donc, du coup, ils sont vraiment. Abricot qui se fait décaler dans le préfab. Ça, c'est très, très important. Côté punchline, qui vont peut-être pouvoir avancer sur le B. Allez, ils y vont, les joueurs des punchlines au niveau de ce point B. On va essayer de mettre de la fumée dessus pour cacher toute visibilité aux joueurs adverses. Mais attention, parce qu'il y a un Capi qui est bien en place. Capi qui fait un kill. Et attention, il y a encore également Exis qui est vraiment présent. Exis qui aide Capi. Et Capi, oui, Capi qui fait une très très bonne action défensive là sur le point B. Il a bien joué là, la part de Capi. Ouais. De l'équipe adverse sur cette tentative au niveau de ce point B. Et Abricot, lui, qui va reprendre la sortie spawn tranquillement là où était Capi précédemment. Et ils vont aller tuer les derniers tickets restants. Ils vont finir avec une cinquantaine de tickets de plus que leurs adversaires. Ça va être un gros écart, mais ça risque d'être encore serré parce que 50 tickets, c'est un bel écart, mais ça peut ne pas être suffisant. Ouais, nouveau Abricot qui défend très très bien le A. Et Capi qui fait le ménage encore une fois. Capi qui a fait double kill, qui fait la réanimation. Et du coup, 50 tickets à deux petits tickets. Et ça va être la fin de ce premier side de seconde map. Les joueurs des punchlines qui sont un petit peu dos au mur sur cette map. Ouais. Ils n'ont pas réussi à trouver les ouvertures nécessaires. On les avait bien vues en début du side. Mais les Westfeld ont vraiment maîtrisé toute la fin du side. Toujours deux drapeaux à un pour les Westfeld qui ont gardé l'avantage pendant plusieurs temps de jeu. Et voilà, ça a joué au niveau des tickets. Finalement, les Westfeld qui passent devant les punchlines. Très, très beau match là, de la part des deux équipes. Vous êtes toujours aussi nombreux à réagir sur le hashtag CDFBF3 sur Twitter. Le second side qui va être balancé direct avec les deux équipes qui sont à fond clairement dans cette finale. Et là, les joueurs des Westfeld, ils ont, une balle de deuxième map, il faudra la concrétiser, aller chercher justement cette troisième carte. Ouais, les joueurs des Westfeld là qui ont une carte à jouer au niveau de cette map et qui vont peut-être amener les punchlines sur une troisième map et espérer côté punchline la victoire ou côté Westfeld. Tout va peut-être se jouer sur une troisième map. En tout cas, on va se concentrer sur ce second side sur Téhéran. Sur n'oubliez pas, à 19h, vous pourrez assister en direct à la remise des lots par Greg pour cette finale de la Coupe de France BF3. Il sera là pour mettre les lots et vous pourrez suivre ça en direct avec les interviews, les réactions de tous les joueurs de cette Coupe de France BF3, les deux équipes, les Punchlines et les Westfeld qui vont continuer dans cette finale de la Coupe de France BF3. C'est peut-être le dernier grand match, sans doute le dernier grand match de BF3 auquel on est en train d'assister en direct. Et vous êtes plus de 4000 personnes à nous suivre
continuez de ramener du monde et continuez de partager votre plaisir à suivre cette rencontre de Battlefield. Et rappelons hein, que si les punchlines veulent gagner cette Coupe de France sur cette map, il va falloir sortir les web spells, voilà, avec plus de 50 tickets. Il va falloir faire une belle victoire côté punchline s'ils veulent remporter cette finale de la Coupe de France. Les punchlines sont en russe, les joueurs des web spells sont en US. Et c'est donc parti pour cette seconde partie de deuxième map entre les deux équipes. Et là, on va voir comment vont se positionner les deux équipes. Mais on perd les premiers duels du côté des joueurs des Westpel. Ronny est à terre, Abricot est à terre. Xis a eu le temps lui de faire un petit kill qui va donner un petit peu d'air à son équipe. Mais on s'est quand même focalisé côté Westpel avec ce bon spawn sur le point central maintenant. Ouais, ça va être dur à tenir. Côté Westpel, ça reprend de nouveau un petit peu la même physionomie que précédemment avec deux flags, le A et le B pour les Westpel. Mais voilà, maintenant il va falloir tenir les flags côté Webspell pour espérer tirer les punchlines sur la troisième map. Et Xis qui règne en maître, qui va tomber ensuite sur le kill de Ikao. Ikao qui va essayer d'en profiter, qui a été repéré, ça va être compliqué pour lui pour s'en sortir. On va essayer de sans doute faire spawn un ou deux joueurs sur lui. Il faut qu'il tienne en vie. Ouais, attention, Ikao et Capi en duel, c'est finalement Ikao qui prend le frag. Avec 3-4%, il arrive à s'en emporter. Oh, il arrive à enchaîner. Cette fois-ci, sur Ronny. Ikao qui est solide et qui est en train de faire une bonne opération. Son équipe peut, pendant ce temps-là, attaquer tous les autres points, mettre en contestation tous les autres points. Attention, côté Webspell, à ne pas sombrer trop rapidement. Ouais, on l'avait dit, Ikao qui n'était peut-être pas spécialement dans la meilleure forme là, sur ce premier side, mais là, il nous a montré un joli double kill qui va peut-être leur mettre tout doucement en confiance. Et pendant ce temps-là, on a FRD qui check au niveau du spawn, qui va faire un kill, mais qui va tomber juste derrière. Il a eu le temps de faire un frag sur Abricot, c'est toujours ça de gratter. Et pendant ce temps-là, Xis qui perd à son tour un duel sur Xia. Xia qui va essayer de mettre la pression. Xia, en plus, qui récupère des réanimations des squads. C'est bien joué de la part de Xia, qui est en duel, mais qui tombe. Mais FRD qui est derrière. FRD énorme. FRD qui fait le double kill. Voilà, encore une bonne action défensive là, de FRD. FRD qu'on voit beaucoup en défense sur les différents flags. Ça on l'a vu sur Bazaar, ouais. On l'a vu sur Bazaar, on l'a vu sur maintenant sur. Oh là là, FRD, la machine FRD qui s'est mise en route mode rouleau 2 et compresseur du côté de Punchline. Et les Punchline qui font tout simplement le full cap et qui mettent la pression en plus avec Ikao. Ouais, entre temps, Ikao qui a finalement fait encore un double frag. Et vous entendez les joueurs FRD et Jika qui crient la coupe est pour nous, juste en face des joueurs des Webspell, l'intimidation qui ira jusqu'au bout entre les deux équipes. Et pour l'instant, ils sont vraiment bien partis, les joueurs des Punchline avec ce full cap. On n'a pas de solution pour l'instant côté Webspell. Côté Webspell, il va falloir contourner. Là, pas d'autre solution, sortir les fumigènes sûrement. Pour pouvoir essayer de contourner une défense punchline qui n'est pas encore en place totalement. Côté punchline, il va falloir faire attention à conserver les munitions. Il y a encore pas mal de munitions dans les poches des différents joueurs punchline. Mais attention, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, des joueurs qui se retrouvent sans munitions. Et ils le savent qu'il y a des joueurs dans leur dos, hein, les joueurs des punchlines, que ça peut arriver dans tous les côtés au niveau de ce point-là. Donc du coup, ils continuent de checker, mais ils arrivent à maintenir la pression sur les joueurs adverses, à maintenir ces 3 tickets d'avance. Et là, c'est bon, c'est vraiment très très bon pour les joueurs des punchlines. Ouais, les punchlines là qui maîtrisent totalement le match, qui tiennent vraiment les web spells en respect là sur ce second side. Abricot qui a avancé quand même, on va voir s'il va pouvoir FRD. Et FRD qui enchaîne les kills. Mais par contre, on vient de faire double kill hein, du côté de Abricot et ça a donné de l'air. Attention quand même, il y a un joueur qui traîne dans le jour au niveau de ce point, ils vont essayer de le reprendre du côté des joueurs des Webspell, mais il y a toujours Xia. Xia qui va en place et ça peut spawn en plus sur lui, hein, c'est ça la bonne opération. Qui va faire le premier kill sur Ronny. Et il enchaîne avec l'assist et le headshot qui part en plus sur Capi. Il est énorme tout simplement Xia dans cette finale et il garde ce point. En plus les joueurs des punchlines, ça continue à descendre les tickets. On a d'un côté un combat sur le A comme on vient de le voir, mais côté C on a les Webspells qui sont en train de contester le C avec Abricot là qui fait un bon travail offensif. Il faut voir maintenant si les Webspells vont arriver à faire la différence là, sur ce C. On a vu pas mal de punchlines sur le A. À mon avis, ici, côté punchline, on n'a pas beaucoup de monde sur le C pour défendre. Du coup, les Webspells en profitent. Et du coup, du côté de... On a vu Xia qui n'a pas trop gaspillé de munitions. Il est resté avec toujours suffisamment de balles et pas de soucis pour lui. Il a besoin d'une munition supplémentaire. Et Ikao qui remporte un duel sur Capi qui était important au niveau de ce C.
Au niveau de ceux-là, plutôt, SEC, ils vont le laisser clairement à Abrico. Abrico qui va pouvoir sécuriser le drapeau, qui a réussi à passer en four, hein, dans le dos des joueurs adverses. Ouais, les webspells qui ont réussi, hein, comme je l'avais dit, à contourner. Maintenant, il faut faire les relances sur le A ou le B côté webspell pour espérer remonter au niveau des tickets. Mais ça va être très tendu. Ici, les punchlines tiennent très très bien les positions. Ouais, c'est clair, ils sont super bien placés, des punch-in avec Xia au niveau de ce middle. Xia qui fait un kill, Xia qui va essayer de rester en vie pour l'instant, 0%, il tombe. Ouais, c'est difficile pour Xia, il était assez vulnérable là, sur le pont. Et on reprend le C du côté de FRD, pendant qu'on va perdre le point B, on est en train de se faire contester le point A. La voici, la voilà la réaction des joueurs Respel. Maintenant, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles, parce que regardez dans cette phase catastrophique, ils ont perdu 100 tickets, hein, les joueurs des Respel. Pourtant, les Respel qui étaient plutôt bien partis en ce début de side. Et voilà, on a vu les punchlines faire les bons kills au bon moment et avancer vraiment comme il faut. Les punchlines qui se rapprochent tout doucement de la victoire dans cette Coupe de France, mais attention, ils ont perdu le premier side et rien n'est fini sur cette map. On l'a vu, on peut contrôler trois drapeaux et derrière faire descendre les tickets adverses très très vite. Les punchlines vont perdre ce B, mais ils gardent pour l'instant possession d'un des drapeaux. Mais attention, il y a Abrico Malicium qui couvre parfaitement les points pour l'instant. Ouais, les webspell maintenant qui recommencent tout doucement à prendre confiance. Deux flags à un pour les webspell. Maintenant, côté webspell, il va falloir camper les positions, faire tomber les tickets adverses pour rattraper le retard tout simplement. Est-ce qu'ils vont tenter le full cap? Ça va être compliqué quand même pour réussir ce full cap. Les joueurs des Westpel pour l'instant ils sont bien dedans. Il faut essayer de faire descendre les tickets adverses, ne pas donner trop de kills, ne pas trop perdre trop de tickets. Et après s'il y a une opportunité de faire 3-4 kills, peut-être aller chercher le full cap. Côté Westpel, il faudrait plutôt laisser venir les joueurs punchline. Pour faire tomber les tickets, mais non, les webspells vont chercher peut-être le full cap ici avec Xis, mais Xis se fait arrêter assez rapidement là sur le C. La meilleure solution, c'est l'attaque. Ouais. On a l'impression du côté des webspells d'essayer de remporter par la plus belle des manières cette carte, mais on va y aller au niveau des tickets. Certes, ils sont en retard, une cinquantaine de tickets de moins, mais maintenant c'est eux qui font descendre les tickets des joueurs des punchlines. Ouais, et les punchlines, il faut absolument qu'ils remontent leur déficit en drapeau pour pouvoir faire descendre les tickets côté webspell avant qu'eux-mêmes n'arrivent à 50 tickets, puisque sinon ça signifierait une troisième map. Et c'est FRD qui cherche un adversaire, FRD qui ne sait pas où sont cachés ses adversaires, et ça c'est plutôt dommage, ça il l'a vu, il a remporté son duel, c'est bien joué. Le kill qui est tombé sur Xis, Malicium par contre là derrière, qui arrive à faire un bon frag également. Malicium, il y a un joueur à sa gauche, il ne l'a pas vu, c'est difficile maintenant pour Malicium. Qui a du mal, Malicium qui a beaucoup de mal à trouver le frag pour protéger le B. Allez, on va peut-être enchaîner un nouveau frag du côté d'Abrico. Abrico qui est toujours dans son préfabriqué. Et voilà, bon travail défensif là de la part d'Abrico. Sur Xia qui est tombé. Sur JK plutôt qui est tombé dans cette histoire. Et les Westfell qui tiennent toujours leurs deux drapeaux, 44 tickets à 79. Ils vont se battre jusqu'au bout. On rappelle qu'ils ont fini le premier side avec une 30 tickets d'avance par rapport à leurs adversaires. Maintenant, c'est clairement au punchline d'essayer d'inverser la tendance. C'est compliqué pour eux maintenant. Ouais, Webspell, on va essayer de bloquer le flag. Mais ça va être difficile. Hein, ça va être difficile. Abrico, là, pour le moment, il est tout seul sur le fly. Il y a quand même beaucoup de joueurs à terre du côté des joueurs des punchlines, mais ils sont en train de rip-up pour aller à la conteste de ce point B. On en a vu trois, l'un des joueurs qui vont partir à l'assaut du point B côté joueurs des punchlines. On l'a repéré enfin à Abrico et on le fait tomber côté FRD. Ouais, donc côté punchline, il faut maintenant mettre la pression puisque les tickets commencent vraiment à tomber. Xia, encore une fois, un super kill de la part de Xia au niveau de ce point B. Les réanimations qui doivent pleuvoir maintenant sur ces deux coéquipiers. Ouais, il faut éviter de perdre des tickets. Hein. Ouais, faut éviter de perdre des tickets. Ils vont peut-être pas en sauver les deux. S'ils vont sauver les deux, on aura peut-être pu laisser un seul cadavre au joueur adverse et laisser le joueur le plus compliqué à garder en vie, le donner le ticket et abandonner l'affaire plutôt que gaspiller peut-être, des tickets. Mais là, il faut. Xia l'a compris. Hein. Il faut absolument jouer les tickets. Oh, Abrico ! Attention, les Webspell qui sont de nouveau là. Les Webspell qui lâcheront rien sur ce point B. Les Webspell qui sont en train de crier à leur tour sur les joueurs des punchlines. On l'entend du côté de Abrico. Ils sont où les punchlines ? Et les punchlines qui répondent, ils sont là. Mais ça va être le full cap côté Webspell. Et les Webspell qui étaient déjà bien, mais là, ils sont vraiment très très bien en place. On voit les punchlines qui commencent tout doucement à arriver sur le C.
et Ferdé là qui fait le bon travail offensif, peut-être pour donner un peu d'air à son équipe. Bah ouais, parce qu'ils sont en full cap hein, là, clairement les joueurs des punchlines, c'est absolument important de neutraliser ce point C, de partir directement à 2 au niveau du point B et juste laisser un seul joueur pour caper ce C. Faut stopper l'hémorragie parce qu'au niveau cas, ticket, ça va être sérieux. Ouais, niveau ticket, ça va se jouer sur une troisième map. Ça va se jouer sur une troisième map puisque les punchlines descendent en dessous des 50 tickets. Du coup, si maintenant les webspells gagnent, même si les punchlines gagnent, ils auront quand même un nombre de tickets inférieur à 50. Donc du coup, ils perdront cette map et on se retrouvera avec une map partout. Donc peut-être une troisième map là. Pour les on est bien parti en tout cas pour une troisième map. Les webspells qui vont encore une fois garder 2 points et sécuriser la pression au niveau de ce point C, en tout cas neutraliser le drapeau. Et ils sont en train de faire la différence tranquillement avec un Malicium qui se réveille au niveau de ce point C et qui vient de dépoper du joueur des punchlines. Allez. Sur la bonne décale de Malicium sur le joueur qui se trouvait juste dans la maison à côté. Il y a son coéquipier qui est là en plus pour lui prêter main forte, il les a vus passer. Et donc du coup ils vont prendre ce point C, les joueurs des punchlines, la réaction. Oh, il est attention là dans le garage, encore bien joué là, de la part de FRD. C'est dur quand même. Au niveau de ce point C, les débats entre les deux équipes. Mais les joueurs des punchlines sont menés maintenant 24 à 30. Ils ont rappel, on a perdu le premier side côté punchline de 40 tickets. Autant dire que les Westfell, là, ils viennent d'accrocher la troisième map dans cette grande finale de la Coupe de France. Encore une grande finale qui va se jouer sur une troisième map. On l'avait déjà vu à la Nvidia Cup avec les remakes contre les Pyro. Par contre, ouais, c'est vrai qu'à la Clam Arena, on avait vu une finale en deux maps. Remake Pyro en deux maps qui avait donné les remakes vainqueurs. Et là, Punchline contre Webspell, on voit une finale en trois maps. On pouvait pas rêver mieux pour une finale. Au plus ça dure, au mieux c'est. On a sorti le snipe du côté de Malicium. Je sais pas si ça sert à grand chose. Du coup, il a lâché. Non, c'est là, c'est KO qui prend le sniper. Il va essayer des petits headshots, on va se mettre sur lui, tiens. On va voir si KO va réussir à faire un frag au snipe, plutôt sympa. Ouais, c'est surtout fait calmer par Malicium. Ouais. Et ça va être la victoire sur cette deuxième map des joueurs des Westfell. Les 4 derniers tickets vont tomber. Et on va donc avoir le droit à une troisième carte qui sera tout simplement d'un avant. Et le sniper aussi. Décidément. Et victoire des Westpel dans cette deuxième match. On va donc avoir dans cette deuxième map, on va donc avoir le droit à une troisième map dans cette grande finale de Coupe de France. Cette finale est chaud patate. Les deux équipes sont vraiment au coude à coude. Ça va se jouer sur une troisième map. Quelle tension entre ces deux équipes. John 6830 qui nous dit que cette finale est historique. Il aurait pu rajouter un 06 devant et les deux numéros qui manquaient pour son numéro de téléphone. Et c'est parti, les restarts sont balancés et on va donc pouvoir y aller dans cette troisième map, la dernière map de cette grande finale de la Coupe de France, Battlefield 3 entre les joueurs des Punchlines et les joueurs des Webspell. C'est parti, c'est le moment ou jamais du côté des deux équipes pour aller chercher le titre, le dernier grand titre de champion de France sur BF3. Et comme je le disais, vraiment cette victoire est symbolique. Et les pyros sont en train de mettre une tôle aux joueurs des remakes, me dit-on. C'est plutôt sympathique, les pyros qui reprennent un petit peu confiance. 76-0 sur le side 2 de la première map, me dit-on. Ils ont donc remporté la première. Ils ont donc remporté les deux sides de la première map. Les pyros qui sont bien partis pour prendre la troisième place de cette Coupe de France BF3. Mais nous, on va se focaliser sur ce match, cette rencontre entre les Westpel et les Punchlines. La dernière carte de cette grande finale au suspense. Insoutenable! Les punchlines sont en russe, les Westpel sont en US. On est donc parti sur pic de dame avant. On va voir si les punchlines arrivent à prendre directement ce bon site B des mains des joueurs des Westpel. Mais ça commence plutôt mal pour eux, puisque c'est Exis qui rentre parfaitement dans cette troisième map. Avec Capi également qui fait un premier kill. Côté Westpel, ça commence relativement bien. Les Westpel qui sont en train de caper le B. On a spot un joueur là dans les conteneurs. Les webspells qui ont l'air comme je le disais, bien partis là sur ce premier side là, sur ce premier rush. Alexis qui vient de faire le ménage et qui a permis à son équipe de venir caper ce point B. Et donc du coup j'entends côté Abricot
faut mettre le mur, faut mettre le mur maintenant du côté des joueurs des OSPL. Ça commence bien côté Capi pour décapiter le premier joueur qui tentait de s'avancer, ouais. C'était Xia. Et côté Punchline, pardon, on sort les fumis. C'est à mon avis la seule solution pour se sortir de là. Très compliqué. Ouais, ouais, c'est pic de dame avant, c'est une sorte de map en couloir avec trois issues possibles. Et Capi qui se fait un plaisir. Capi qui fait une très très bonne défense. Et pour l'instant, ça commence bien pour les joueurs des Webspell dans cette troisième map. Ils sont en train de mettre la pression directement sur les joueurs adverses avec un Capi pour l'instant super solide au niveau de ce point B. Pas mal de fumis balancés par FRD. Et on va y aller pour la conteste de ce point B. On a repéré l'adversaire. Voilà FRD qui fait le kill sur Rony. Voilà l'importance de la fumie. Essayer de mettre le doute dans la défense. Et oh finalement, là, finalement FRD qui se fait arrêter là en dernière seconde. Capi qui est solide. Ouais, Capi qui fait de nouveau un bon travail défensif. Et Abricot là qui tente d'aller peut-être caper le C. Côté, allez, Abricot qui va faire le kill sur Ikao. Le premier kill qui est gratté au niveau de ce C. Ils ont perdu le point B, les joueurs des Westpel, avec la benne agression de FRD de ses coéquipiers au niveau du B. Et du coup, là, on se fait contester un petit peu le point C du côté des Punchline. Attention, parce que FRD est en duel avec Abricot sur le point C. Lequel des deux joueurs va réussir à prendre là Avantage, oui, Ikao, ouais, le soutien à son coéquipier. Ouais, c'est bien joué. C'est Ikao qui donne le soutien à FRD pour faire tomber Abricot. Bien joué, très bon teamplay là, de la part des Punchline qui vont maintenant repartir du C. Et là, du coup, c'est avantage maintenant aux joueurs des Punchline. Il y a certes le jeu des chaises musicales qui est activé, mais les Punchline, ils avaient pris une petite option au niveau du point B. Ils ont la possibilité de garder ce point C. Voilà, c'est fait, c'est maîtrisé avec l'assist du côté de Xia pour son coéquipier. Et le point A qui va être maîtrisé par les Punchline. Ah, Xia qui est attendu. Par une nouvelle fois, un Capi solide. Capi qui va tomber avec Ikao. Pour l'instant, des joueurs qui tombent de tous les côtés là. Abricot à travers la smoke sur Ikao, c'est bien joué. On a de nouveau une phase de jeu où les drapeaux tournent partout. On avait entendu quelques minutes auparavant les Webspell dire voilà, on met un mur, on stoppe l'agression des punchlines, on reste à deux drapeaux, on bloque et on bouge pas. Et finalement, avec les fumis, les punchlines sont passés. Le kill de Abricot. Abricot qui met un bon kill. Qui fait un bon travail défensif, le moins 3 là dans le préfabriqué. Là. Très très bon travail de la part d'Abricot, qui malheureusement n'arrive pas à réanimer son coéquipier. C'est pas grave, ça va réapparaître sur lui, donc c'est plutôt pas trop grave. Ils vont pouvoir capturer, sécuriser ce point B, les joueurs des Westfeld, et essayer sans doute de prendre également le point C pour avoir 2 points et faire tomber les tickets adverses. Vous le voyez au niveau des tickets, il n'y a que 5 tickets d'écart entre les deux équipes. Le B et le C sont maintenant en main des Westfeld. Et on avait vu ces joueurs qui se retrouvaient là dans le préfabriqué, qui avaient souvent une espèce de supériorité. On avait vu notamment Hysteria qui s'était déjà mis dans ce préfabriqué et qui avait réussi à mettre des séries de 3, 4, 5 kills d'affilée. Ça spawn sur le B quand même du côté des punchlines. Ouais. C'est plutôt bien joué pour essayer de prendre l'avantage numérique. Mais regardez Abricot, lui qui est... On peut pas le bouger, indéboulonnable au niveau de ce préfabriqué, il garde la position. Il a vu un de ses coéquipiers tomber, il va falloir essayer de peut-être partir à la chasse aux réanimations. Il cherche ses adversaires, Il n'a pas d'infos précises, voilà, ça monte dans le préfabriqué. C'était pas mal la part d'Ikao qui a fait une espèce de feinte. Il a fait genre, je vais rentrer dans le préfab, en fait non, mais en fait je rentre une petite fraction de seconde après. De quoi mettre le doute chez Abricot, ou le grenade fail là, de la part d'Abricot. Ah, attention, la grenade qui va exploser. Ils sont deux maintenant au niveau de ce préfab. Il y a Ikao et Capi. Pour l'instant, toujours ce jeu des chaises musicales. Plutôt à l'avantage des Webspell qui sont en train de prendre un petit avantage allez, d'une vingtaine de tickets sur leurs adversaires. Ah, attention, ça monte là dans le préfabriqué. Il faut que Capi se retourne. Bien joué de la part de Capi. Il avait l'information de la part d'Abricot et Capi qui fait encore un bon travail défensif. On a vu un bon Capi depuis le début de cette map. Et Capi là, qui a bien aidé son coéquipier Abricot, et Abricot qui a été super solide. Hein. On tient toujours ce point B du côté des joueurs des Westfalen. On ne veut pas le donner aux joueurs des Punchline parce qu'on sait que c'est super compliqué à reprendre derrière. C'est très très difficile de relancer une fois qu'on se fait prendre le B. Il faut utiliser les fumis. Et des deux côés, ils se sont déjà préparés, ils se sont déjà équipés avec des fumigènes. Les Punchline les ont déjà utilisés pour passer. Ils vont... Bien évidemment, tenter de refaire la même chose là.
Abricot, Mock Showtime, encore qui continue avec un frag sur Ikao, un frag sur également Red. Et on tient toujours ces deux drapeaux du côté des Westphal. On tente même la conteste du point A du côté de Malicium. Ouais, les Westphal qui voudraient terminer en beauté là, cette finale, ils tentent le full cap. Ça serait beau côté Westphal si on arrive à passer ce full cap. Ils sont deux sur ce drapeau A et c'est en train de le neutraliser, hein, mais tous les drapeaux vont clignoter maintenant. Mais oui, à mon avis, Malicium avait l'information comme quoi des joueurs punchline étaient passés, donc du coup, ils relancent directement sur ce flag où ils savent que la défense est faible. On a Xia au niveau du C, on a également FRD au niveau de ce C, Kayao qui tombe encore sur Abricot au niveau du B. Et là, FRD et Xia, il faut qu'ils arrivent absolument à sécuriser ce point C, parce que là, c'est vraiment délicat pour eux, l'écart qui est en train de se faire au niveau des tickets. Ouais, Xis qui est en train de camper le flag pour le moment. Les deux punchers n'arrivent pas à trouver, hein, Xis. Et par contre, Abricot et Capi qui sont tombés au niveau de ce point B, là, il y a vraiment une porte ouverte hein, pour les punchlines au niveau de ce point central. Ouais. Où est Exis? Ouais, ça se cherche entre FRD et Exis. Exis qui va tomber sur le kill de Xia finalement. Le point C qui est secure finalement. Le point B qui est en train de passer également à leur avantage. FRD qui check. On veut vraiment rester safe au niveau de ce point. Et pendant ce temps-là, les deux autres joueurs côté punchline, du côté de JK et de son coéquipier, on est allé chercher le point B. Et ça, c'est plutôt bien joué pour eux. C'est à eux maintenant de faire descendre les tickets adverses. Ils ont 30 tickets de retard. Maintenant, il faut, et pour bien faire que les punchlines bloquent, comme l'ont dit les webspells, il faut qu'ils bloquent parce que c'est une map en couloir assez difficile à passer. Et voilà encore Ikao qui fait un très très bon travail défensif là. Et Capi qui traînait par là, et Capi qui fait son frag. Malicium qui va aider son coéquipier. Ça c'est bien joué, on va repartir directement à l'assaut de ce point A B. Mais comme tout à l'heure, ils étaient frottés à une belle défense de deux joueurs au niveau de ce B, les punchlines. Maintenant c'est au Westphal de venir se frotter à la défense au niveau du cadre. On a un Abricot malheureusement qui s'est fait descendre là en attaquant le préfabriqué. Il y a quatre joueurs qui sont down côté Westphal pour les punchlines. C'est la bonne opération là. Les punchlines qui ont la possibilité de chercher l'égalité. Ils ont 16 tickets de retard sur leurs adversaires. Ils vont pouvoir inverser la tendance, revenir à hauteur des joueurs des Westphal. Et là, clairement, ce point B, on l'a vu, il est très compliqué à reprendre. Là, ils ont vraiment un vrai avantage. Ouais, on entend l'instruction qui est donnée. Il faut lancer les fumis. Et c'est Abricot qui va pour lancer ses fumis. Malicium qui va essayer d'aller faire un frag au corps à corps. C'est chose faite sur Ikao. Ikao qui est un petit peu en difficulté sur ce premier side. Et les punchlines qui continuent de voir leur avantage diminuer. Les Westphal plutôt diminuer. On voit vraiment les punchlines qui sont en train de créer le mur pour éviter que les Westphal ne passent. Et c'est, comme on l'a dit, très très difficile de passer si on ne met pas ces fumigènes. Mais voilà, l'information est passée côté Westphal. Il faut utiliser ces fumigènes pour passer. Allez, nouveau frag qui tombe du côté de Malicium. Le double kill, le triple kill de Malicium, le quadruple kill de Malicium. Malicium qui met vraiment 3 kills dans la vue là, côté punchline. Mais FRD qui est là pour réanimer ses coéquipiers. Et ça, c'est plutôt pas mal pour les joueurs des punchlines qui vont remporter finalement ce duel au niveau du middle. Au final, les punchlines qui s'en sortent bien. Abricot, lui, qui est parti à la contestation d'un drapeau. Vous voyez, c'est tous ces points qui clignotent. Parce qu'ils sont pas si mal que ça, quand même, les joueurs des Westphal. Ouais, pour la conteste des différents points. On a Ikao et Exis qui sont en duel. Exis qui se trouve dans le préfabriqué. Et Ikao qui se trouve dans les conteneurs, à l'assaut peut-être du préfabriqué. Les Westphal qui sont en supériorité numérique ici sur le flag. Avec Exis qui a l'information. Il sait que les punchlines se trouvent là au niveau des conteneurs, il faut faire attention là, Exis, ouais, ça grenade. Va sûrement monter la grenade pour décaler. Et sur Exis, peut-être qu'il va tomber, non? C'est dur, le kill! Exis qui fait duel. Un très très bon duel là dans le préfabriqué. Et c'est toujours aussi serré, pour l'instant il y a ce drapeau qui clignote, qui est pour l'instant à l'avantage des joueurs des Westphal. Ils étaient trois les punchlines à rusher le préfabriqué. C'était difficile pour Exis. FRD, le ménage signé FRD qui vient d'enchaîner la dépop de joueurs adverses. Au passage, un bonus un petit bonus au niveau des points. Et du coup, 55 à 64, les punchlines toujours derrière. Mais maintenant, c'est eux qui sont bien deux drapeaux à un. Il y a ceux à les conquérir, ils sont en train de se faire clignoter le C. Ils repèrent un joueur FRD qui enchaîne. Ouais, et sur le C, c'est Abricot qui tente la cape. Avec Ikao qui tente le kill, mais Ikao se fait descendre. Est-ce qu'Abricot... Non, Abricot n'arrive pas à faire la différence.
Allez, le duel Malicia, Mexis. Ce sont les joueurs des Webspells qui prennent l'avantage là sur les punchlines au niveau du C. Bien joué là, la part des Webspells. Et ça clignote toujours autant. Ces drapeaux, seul le point B est maîtrisé par les joueurs à des punchlines, mais sans doute on a plus qu'un ou deux joueurs qui doivent couvrir ce point. Ça va être compliqué pour eux. Et les Webspells qui ont directement relancé l'assaut sur le B. Mais de nouveau, c'est sans les fumis, et sans les fumis, c'est très très difficile quand même de passer. Exis a tenté l'incursion là dans le préfab. Les punchlines qui tiennent toujours à l'avantage et qui sont maintenant passés en tête au niveau des tickets. C'est un ticket de plus que leurs adversaires et toujours ces deux drapeaux en leur faveur. Ouais, maintenant c'est Xia là qui tenait le préfabriqué qui finalement décide de descendre. Allez Capi qui va tenir ce point A. Il y a trois joueurs qui sont à terre hein, quand même côté des joueurs des Webspell et ça c'est une bonne fenêtre hein, pour les joueurs des punchlines. Les Webspell qui étaient plutôt très très bien partis là, en début de side et puis qui se sont fait rattraper tout doucement par les punchlines qui ont su mettre en place leur défense et qui ont su faire tourner FRD encore là qui fait un très bon travail. Énorme FRD qui continue à essayer de faire son festival de kill. C'est compliqué à tenir ce point mais les punchlines ils arrivent pour l'instant à le maîtriser face à une masse de joueurs adverses. Oh, FRD encore. FRD là qui fait quelques kills au pistolet. C'est plutôt impressionnant là, de la part de FRD. Allez, le A et le B aux mains des joueurs des punchlines, le plan C qui clignote. Parce que regardez, il y a des joueurs qui sont là et c'est IKO qui va chercher le headshot sur son adversaire X6. Là, on perd un adversaire là-bas au niveau des rochers. Il va avoir du mal à faire le kill parce qu'on est quand même à une distance très très loin pour sortir le headshot direct. Et là, il repère son adversaire. Allez, c'est Malicium qui tombe, ouais. Et là, les joueurs des punchlines, ils sont bien, ils sont vraiment bien. Ils sont en train de remporter ce premier salé de 51 tickets à 15. Et on sent clairement là, une domination maintenant en fin de side pour les punchlines. Il faut que les webspells se réveillent là, sur la fin de ce side. On a trois webspells qui sont down. Ça va permettre aux punchlines de continuer leur avance. Et Malicium qui repart l'adversaire qui n'arrive pas trop à faire le kill. Et 7 tickets restants, 7 tickets à 49. Ça se panne en plus sur Malicium. Il faut absolument essayer de sauvegarder ce point du côté des joueurs des Webspell. Là, on voit Malicium en duel avec IKO. IKO, voilà, qui était bien placé, qui fait la bonne décale là, sur Malicium. Show IKO. Allez, IKO qui arrive à enchaîner encore une fois. Malicium, Capi, les deux sont down. Bien joué. Très très bonne défense là, de la part d'IKO sur le C. 4 tickets restants, 48. À 4, 46, à 3 maintenant, la victoire qui se rapproche du côté des joueurs des punchlines dans ce premier side de troisième map. Ça sent très très bon. Allez, le score important à retenir là, les punchlines qui prennent une petite avance sur ce premier side face au Webspell. Petite avance, attention, les tickets vont tout doucement s'afficher. On a 48 tickets. 48 tickets pour les Webspell. Pour 22-6, regardez-moi ça, ce score pour le joueur des punchlines. Ah, JK, la machine de guerre là sur ce side qui a montré quand même plutôt un bon jeu. On ne l'a pas vu à la caméra, mais son score montre quand même un JK qui est assez en confiance là. Et continuez de tweeter hein, sur le hashtag CDFBF3, montrez que vous êtes présent, continuez à soutenir vos deux équipes. Vous êtes énormément nombreux à réagir et ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez en masse en train de suivre ce dernier grand match de l'eSport BF3 sur PC avant demain conclure l'histoire de BF3 sur la Xbox et le stream qu'on vous commentera avec Néo. C'est reparti mon petit Néo. Ouais, et là cette victoire va être vraiment symbolique pour l'une des deux équipes. Elle sacrera la dernière équipe championne de France de Battlefield 3. Pour l'instant, c'est toi qui es en tête hein, sur les pronos. Hein. Pour le moment, c'est moi qui ai plutôt raison. J'avais donné les punchlines vainqueurs. Mais attention, on a vu les Webspells se sortir de situations très très difficiles. Alors, on va voir ce que les Webspells vont pouvoir nous proposer. La réaction des joueurs Webspell, les coéquipiers de Abricot, de Capi, de Xis et Malicium qui doivent absolument réagir. Rony complétera le rooster du côté des joueurs. Des Webspell, les punchlines sont en US, les Webspell sont en russe. Et on est pour le moment avec Abricot.
Et on entend déjà les t'inquiète pas qui tombent du côté des punchlines. On se pose quand même des questions. Hein. Il y a quand même de la pression dans ce match. La pression dans cette troisième map. Le titre de Coupe de France, de champion de France, est en jeu entre les deux équipes. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ces deux équipes nous auront fait vivre une finale tout à fait incroyable qui se sera jouée sur trois maps. Et FRD qui commence directement avec un moins 2 au niveau de ce B. Ouais, dommage, le grenade fail. Allez, il va continuer à mettre la pression. Ce point B qui passe à l'avantage des joueurs des punchlines. Les punchlines qui vont pouvoir mettre en place leur jeu. Et KOJK qui enchaîne les kills. Ouais, wow, les web spells qui se font descendre là petit à petit. Ça sent le full team, la réaction quand même. Avec un X6 et un Malicium qui sont restés en vie et qui essayent de sauvegarder ce point B pour les joueurs des web spells. Mais là, c'est vraiment les punchlines qui ont pris le dessus. Ouais, les punchlines qui font une entame de match idéale. Et voilà le mode carpet signé. Xia qui vient de faire le premier kill, il va essayer de rester en vie derrière l'immense roue du tracteur là. Et KO qui fait ménage au niveau du C. Oh, la tentative de full cap, la tentative de full cap du côté des punchlines, ils sont deux, ils neutralisent ce drapeau. Oh, ça peut passer. Si ça full cap maintenant pour les punchlines, ça risque d'être extrêmement difficile pour les webspells de sortir du spawn. Mais on voit le point A qui est déjà en train de clignoter côté webspell, qui vont tenter de... Ah non, non, même pas, le point A qui a été bien défendu. Et on voit les quatre joueurs webspell qui sont... Down, bien joué là de la part des punchlines qui vont pouvoir mettre une défense très très haute et pouvoir bloquer peut-être les webspells à leur spawn. Et ça s'intimide entre les deux équipes. Les joueurs des punchlines qui ont envie en plus de mettre une pression mentale sur les joueurs adverses. Par contre, ils viennent de perdre IKO et FRD au niveau du A. X6 qui a fait un saut un petit peu trop haut qui finalement s'est suicidé. Ça, c'est dommage. Exia qui va devoir couvrir le backup du C vers le B puisque le C va être repris par les joueurs des Westpel, puisque les deux joueurs qui étaient sur ce point FRD et IKO n'ont plus réussi à tenir la pression des respawns adverses. FRD hein, qui continue sa bonne série de kills là, en mode carpet dans le couloir. Ah bah c'est clair, là c'est la meilleure position. Il met de la suppression le FRD là. Il n'y a rien de mieux à faire, hein. C'est vraiment tenir ces couloirs. Il suffit de checker de temps en temps ce qui se passe au niveau de ce middle et vous maîtrisez ce point B et vous coupez court toute réaction des équipes adverses. Et les fumis qui commencent de nouveau à exploser un peu partout. De droite, on l'entend du côté des joueurs des Westpel. Attention, Eddie Vaxia, il va tomber. FRD par contre, pense à qui fait tomber le kill sur Mali. Les Pelstein qui ont maintenant 40 tickets d'avance. Et Dika qui enchaîne les kills. Attention, hein. Attention, parce que si les Westpel descendent en dessous de 46 tickets. C'est ça. 46 tickets, ce sont les punchlines qui sortiraient vainqueurs de cette finale. Allez, jusqu'au bout, les punchlines qui vont. Les punchlines qui sont en train de faire vraiment très très mal, de venir mettre la pression très très haut au niveau de ce point. C'est le dernier point tenu par les joueurs des Westpel. Et la grenade de Xia, grenade préventive qui touche son joueur. Oh, c'est bien senti, c'est bien souti. Xia qui va tomber par contre, FRD qui prend le revenge et qui aide plutôt son coéquipier JK à faire le kill. On avait l'information à côté de JK qui dit attention, ça passe couloir. 60 tickets d'avance, 146 tickets à 78, maintenant 79 pour les joueurs des punchlines qui se rapprochent, qui ne sont plus qu'à 39 tickets de la victoire dans cette Coupe de la France. Oh, ça sent bon, ça sent vraiment bon pour les joueurs des punchlines. Il va falloir vraiment la réaction côté Westpel. C'est Tata Brico qui va mener ses troupes vers la réaction et vers la sortie de la tête de l'eau. Ouais, bien joué la part. Quand même bien joué aussi de la part de Westpel qui sont arrivés à sortir leur spawn pour prendre le C. Et voilà, qui pourrait peut-être tenter de pousser un peu plus loin sur le B, mais ça va être très très difficile. Il faut sortir les fumigènes côté Westpel. Oh, le kill qui tombe du côté Xia. On coupe vraiment l'arrivée au niveau de ce point B. Et ça se rapproche tout doucement de la victoire. 60 tickets restants, 64 tickets restants côté joueur des Westpel. Encore 20 tickets à faire tomber. Encore 16 tickets à faire tomber. 48 à 0, on rappelle, c'est le score du premier side. Ils sont à deux doigts de toucher le titre de champion de France, les joueurs des punchlines. Et attention, le B qui est contesté tickets. Par les Webspell. Allez, 9 tickets, 6 tickets, 8 tickets maintenant de la victoire. Oh, ça arrive au bout là, du côté des joueurs des punchlines qui tiennent. 6 petits tickets. FRD et Abricola qui sont en duel sur le C. Lequel des deux joueurs va sortir vainqueur de ce duel? C'est FRD qui brain finalement Abrico qui arrive à le sortir. 4 petits tickets, c'est pas maintenant les punchlines du titre de champion de France. 3 petits tickets même. Ça se rapproche du côté des punchlines. Un dernier sursaut, j'ai l'impression, en plus du côté des joueurs des Webspell qui essayent de récupérer ces drapeaux. Plus que 2 tickets.
Attention, bientôt, bientôt côté punchline, peut-être la victoire. Mais maintenant, c'est eux qui sont un petit peu dos au mur. Ça se rapproche côté punchline. On va essayer de rester en vie. En tout cas, du côté des derniers joueurs, on espère de ne pas donner de tickets gratuits. Mais là, deux tickets à 138. Il faut mettre deux tickets à 138. Ouais. C'est juste infaisable. Ouais, tous les joueurs, pour le moment, côté Webspell, sont encore en vie. Il faut jouer de la réanimation. Il faut essayer de ne pas perdre de tickets. Deux tickets. Sépare les joueurs des Westpel du titre de champion de France. Allez, un kill à nouveau signé Abri. C'est en train de faire la différence là du côté des joueurs des Westpel qui vont reprendre le point B. Ils ont le point B. Il reste plus que 3 tickets à faire tomber. Allez, ça sent très très bon. En tout cas, 2 tickets pour égaliser et 3 tickets pour être champion de France. Ouais, attention hein, parce que les Westpel tout doucement commencent à se réveiller. Deux drapeaux pour les Westpel. C'est chaud. Jusqu'au bout, il va falloir jouer. Jusqu'au bout, il va falloir se battre. Ferdé là qui fait un bon kill encore une fois. Oh, les deux équipes et qui auront tout donné en tout cas dans cette finale. Mais les joueurs des Westpel qui s'accrochent à leurs deux petits tickets. Bricola qui fait encore un bon travail offensif sur le C. Ils ne lâcheront rien. C'est deux tickets pour l'égalité, trois tickets pour le titre de champion de France. Ils sont en train de mener. Il ne reste plus qu'un seul ticket pour l'égalité. Ouais, les Webspell ne peuvent plus spawn, si spawn c'est fini. Le prochain ticket qui tombera, ça sera pour les joueurs des Punchlines, le titre de champion de France. Et voilà, les joueurs des Punchlines sont champions de France. Ils sont champions de France tout simplement. Ouais, les Punchlines qui veulent quand même terminer le match, les Webspell aussi. On sent deux équipes hein, qui ont vraiment envie de terminer tout simplement. On enchaîne côté FRD au niveau de ce point C. Certes, on n'a pas l'avantage au niveau des drapeaux, mais on est tellement bien pour être champion de France du côté des joueurs des Punchlines. Mais quel match de fou! Ouais, les Punchlines qui réalisent peut-être pas encore. Je sais pas, je pense qu'ils vont jouer jusqu'à fond pour vraiment être sûr d'être champion de France. Hein. Vraiment, on sait plus trop, on préfère être sûr, même si c'était 48 tickets, on va jouer jusqu'au bout, faire descendre en tout des 40 et après ça sera bon. Hein. Ouais, on fait tomber un maximum hein, de tickets du côté des Punchlines. C'est énorme. Et ça, c'est vraiment beau à voir. On voit deux équipes qui, même s'ils connaissent le résultat, continuent à jouer jusqu'au bout. Enfin, c'est. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là pour Fred? Attention, on va faire un nouveau frag du côté de Xia. C'est bien joué. Et les joueurs des Westpel qui lâchent rien. Hein. Ils ont encore l'avantage au niveau des drapeaux. Ils sont en train de diminuer les tickets adverses. C'est bien aussi pour le spectacle, les deux équipes jouent jusqu'au bout ce match. Ouais, côté Webspell, on a toujours l'avantage. Par contre, ça se bagarre là sur le B. Et ce point C qui est en train d'être pris par les joueurs des Punchlines. Ils sont en train d'essayer de sauvegarder ce point, mais c'est compliqué pour le IKO au niveau de ce B qui va venir sécure le drapeau. 96, 98 tickets à 43. Et on entend, on continue les gars jusqu'au bout. Et Webspell qui veulent continuer jusqu'au bout ce match et vous offrir ce spectacle. Un gros GG n'empêche à ces deux équipes qui offrent le spectacle jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les deux équipes vont rien lâcher pour l'honneur, pour le spectacle, pour vraiment cette Coupe de France BF3 avec un Xia qui aura été énorme tout au long de ces trois maps, qui aura vraiment été l'homme limite du match côté Punchline avec Jika. Et côté Webspell, on a vu un Malicium très très bon, on a vu Capi aussi très très bon, des bons joueurs des deux équipes là qui ont vraiment montré un très bon jeu. Jika qu'on n'avait pas à l'image, mais sur la partie précédente qui avait fait quand même beaucoup de kills. Et les Punchlines qui vont avoir à cœur de finir parfaitement bien et de fêter leur titre de champion de France par la plus belle des manières. En allant chercher la victoire sur ce dernier side, en remportant cette dernière map haut la main. On n'y est plus vraiment hein, en face hein, du côté des joueurs des Webspell. On est en train de lâcher un petit peu l'affaire, tout doucement en prise. On n'a plus que 19 tickets à faire tomber côté Punchline pour vraiment fêter ce titre de champion de France. Les Pyrogènes finissent 3e de cette Coupe de France et viennent de gagner 2-0 face aux joueurs des Remakes. On aura donc un podium avec les Punchlines 1er, les 2e, les Westpel et les 3e, ça sera donc Pyrogènes. Et 4e, ne les oublions pas, les Remakes qui terminent bien juste à côté du podium. La plus mauvaise marche. Ouais, malheureusement pour eux. Parce qu'il n'y a pas d'autre marche, voilà, c'est exactement ça. Et donc du coup, le point C qui est maîtrisé maintenant par les joueurs des Webspell. Allez, les Webspell qui ont inversé la tendance, qui ont repris le B, qui ont le C, qui a le A.
à essayer d'aller chercher pour finir sur un full cap peut-être, mais les punchlines, maintenant ça va être inverser la tendance au niveau de ce point C. Il va prendre le kill, c'est bien joué de la part de Xia. Ouais, Xia qui reste lucide jusqu'à la fin. Mais voilà, encore une fois, je tiens à souligner que voilà, ces deux équipes, même s'ils connaissent le résultat du match, tiennent à vous faire partager bien ce match jusqu'au bout. Et voilà, les deux équipes vont jouer pour vous vraiment ce match jusqu'au bout, même s'ils connaissent déjà l'issue de ce match qui sort les punchlines vainqueurs de cette Coupe de France Battlefield 3, de cette finale de la Coupe de France. 70 tickets à 8, à 9 même pour les joueurs des punchlines, les Westpals qui ont repris possession de deux drapeaux, qui font pas mal de kills sur leurs adversaires, qui vont pouvoir camper dans les rochers à la sortie des couloirs. Ouais, maintenant les Westpals qui vont fermer la porte. Côté punchline, il va de nouveau falloir sortir les fumigènes. Et FRD là qui sort le snipe, ce serait peut-être intéressant d'aller voir chez FRD comment ça se passe. FRD pour aller faire des kills avec ce snipe, le snipe qu'on n'aura pas du tout vu hein, finalement dans cette finale de la Coupe de France BF3, parce qu'il y a quand même cette omniprésence de cette arme, la M4. La M16A3. M16A3, et FRD qui va peut-être sortir le kill, non pas encore. Ah, c'est difficile là, au sniper, Ikao qui s'y met également au sniper. Voilà, les deux équipes qui commencent déjà à se congratuler. Allez, les Westpals qui vont essayer de finir parfaitement bien, 48 tickets à 8. Ils vont essayer d'aller remporter ce dernier side pour finir avec les honneurs dans cette finale de la Coupe de France BF3, dans cette grande finale. Mais vraiment, les Westpals, nous aurons offert une troisième map en allant chercher la deuxième map à leurs adversaires, alors que les joueurs des punchlines avaient remporté déjà la première. Ikao qui a tenté de prendre le sniper, qui s'est fait descendre derrière. Oh, le cut peut-être du côté de Exis, mais ça n'a pas fonctionné. Abrico qui essaye de vraiment finir très très bien, de faire pas mal de dégâts. On est au niveau toujours des 6 tickets à 34. Ça... Et l'air de rien, les Westpals qui remontent tout doucement leur retard face au punchline. Et les punchlines, voilà, qui temporisent tranquillement, ils se posent plus de questions. Dommage pour le kill au sniper du côté de Ikao. T'as vu, je prends le sniper. 28 à 7 tickets, 28 tickets à 7. Ça diminue tout doucement. Ouais, c'est... Ça fait plaisir de voir ces deux équipes qui donnent le spectacle jusqu'au bout. FRD qui reprend le snipe. FRD, il en veut, il veut vraiment nous montrer quelque chose avec son sniper. FRD qui fait le no-scope là, sur Abrico. Bien joué là de la part de FRD. FRD qui va essayer d'enchaîner directement à la sortie de ce couloir. Il a été repéré. Et il va essayer. Oh, ça ne fonctionnera pas. Ikao qui met aussi un kill. Sur Malicium, ou peut-être le deuxième. Oh, dommage, là, c'était pas passé loin là pour Ikao. Enfin, tu finis vraiment en roue libre hein, des deux côtés. Hein. Ouais, on s'amuse des deux côtés. On termine vraiment dans la bonne humeur cette finale de la Coupe de France Battlefield 3. Le kill peut-être, non, ça ne donnera même pas, rien. Même pas pour Ikao, c'est qui n'est pas passé loin. Hein. C'est Xia qui a failli faire le kill, qui a pris le kill à son coéquipier. Ouais. Deux tickets avant le kill. Exis qui met un superbe kill au sniper. Et c'est le pour les joueurs des punchlines. Quel match de folie. Finale, on pourra de nouveau le dire, une finale d'anthologie. Ah, carrément. Une finale d'anthologie avec une belle, belle, belle équipe punchline qui s'est décarcassée pour venir ici. Et voilà, qui vient chercher cette victoire du bout des bras. Les Westpals qui se sont extrêmement bien défendus. Qui ont cru à la victoire jusqu'au bout. Finalement, j'avais raison. Ouais, c'est clair, mais tu finis toujours par avoir raison, même si t'es pas tout le temps très bon. Je te merde. Et donc, on va aller, Néo, t'as été très bien en homme de terrain tout à l'heure, donc je te laisse partir à la chasse aux réactions, et juste après la remise, puisqu'on attend, on a les trois premiers, ouais, les quatre premiers, avec les remakes 4, les joueurs des Pyro 3, les joueurs des Westpals 2 et les Punchlines champions de France. Juste après, on se retrouve pour la remise des lots avec Greg, le community manager, qui va remettre les dotations, les 10 000 euros de dotations qui sont réservées au tournoi PC. Et oui, des belles dotations là concernant ce tournoi. On va aller peut-être interroger les différents joueurs côté Punchline et côté Westpals.
Les joueurs Webspell et Punchline que j'ai ici juste devant moi. Messieurs, vous nous avez apporté un superbe spectacle. Je tiens quand même à féliciter... oui, il faut s'écarter peut-être un petit peu. Je tiens vraiment déjà à vous féliciter au nom de toute l'équipe ici pour... Alors, on nous dit inverser les équipes. Alors, Punchline ici à gauche et Webspell à droite. Changement. On a perdu la... Ikao, je te passe déjà le micro. Non, ça va, le micro est déjà allumé. Les punchlines à ma gauche, les Webspell à ma droite, les deux équipes nous ont offert un spectacle jusqu'au bout. Et ça, vraiment, messieurs, je tiens à vous féliciter au nom de tout le monde ici. Vous nous avez montré le spectacle jusqu'au bout, même si vous connaissiez déjà le résultat de ce match. Bravo à vous. Un petit mot d'abord des punchlines avec Ikao. Très content, évidemment. Très content. Donc oui, Memaït ont super joué. Super on est champion. On est champion. Donc voilà. Encore merci. Ciao. Encore merci au Webspell de leur fair play, hein, parce qu'ils auraient pu prendre le flaxé sur le premier set de bazar. Donc voilà, bravo voilà. À eux déjà. Bravo. Ouais, justement, les Webspell, vous nous avez offert de nouveau un excellent spectacle face à ces punchlines. Un petit mot là sur ce match, comment vous l'avez ressenti? Vous avez cru à la victoire jusqu'au bout? Ah bah on s'est battu jusqu'à la fin, c'est sûr, mais bon, ils étaient là, on était là, et de ce qu'il a parlé, ils ont réussi à nous dominer sur Pix. C'est sûr, c'était la map qui n'était pas super jouée sur cette coupe, et puis ils ont fait la différence et ça a suffi, quoi. C'était bien sympa. Ouais, vraiment un très beau match. De nouveau, les deux équipes qui nous ont proposé un spectacle jusqu'au bout. On a vu même les snipers sortir sur la fin de ce dernier side sur Dame Avant. Apparemment, ils sont mauvais aux snipers. Ils sont pas terribles, mais il a réussi quelques petits unscope. Fred et Ikao, je crois. Sinon, ouais, c'était plutôt pas mal. Hein. C'était marrant. Bah, ils nous trollaient à la fin, c'est normal. Hein. C'était. Ouais. Pas tomber les tickets. C'était effectivement amical, une finale qui s'est finalement terminée dans la bonne humeur. Et voilà, deux belles équipes là qui ont montré un très très beau spectacle ici au LDLC. Écoutez, messieurs, peut-être un petit mot là de la part des autres joueurs. FRD, on t'avait interrogé ici avant le match. Un petit mot là sur tes sensations. On est très contents déjà, parce qu'on a jamais fini premier. Tout le temps troisième, deuxième. Là, c'est super qu'on finisse premier pour la fin de ce BF3. Ouais, c'est un peu une victoire vraiment. Comment expliquer c'est, pour vous, ça doit représenter quelque chose. Être la dernière équipe à gagner cette Coupe de France de Battlefield 3. Bien sûr. Surtout. Merci, CND. Surtout tout le travail qu'on a mis en place depuis des mois, les heures de jeu. Ouais, vous avez une line-up qui n'a pas finalement beaucoup bougé. On a vu Ikao qui a rejoint les punchlines il y a quelques mois, tu disais. Voilà, et puis on a bien Red qui vous a rejoint il y a pas longtemps. Red, un petit mot là sur cette finale. Bah écoutez, moi je suis très content. Ah non, je suis très content de les avoir rejoints déjà. Donc Fredo, bon, je le connaissais déjà, les autres, je les découvre et franchement, c'est des super mates. Ça s'est super bien passé, ils m'ont intégré, j'ai pas eu de soucis. Après, concernant la LAN, félicitations quand même aux Webspell. Moi, je trouve qu'ils ont fait un gros parcours, une grosse LAN. Ouais, les Webspell ont fait un très très beau parcours. Ouais, merci. On peut les féliciter. Voilà, et puis je crois qu'on peut le dire maintenant, on est champion de France, les gars! Et on remercie notre sponsor qui a 2 heures pris, on n'était pas là. Il est là. Partenaire. Voilà. Et on le remercie de tout cœur. Je remontre le logo. Voilà. Et puis merci à tous, c'était un très beau match. Et on s'est éclaté. Quoi. Voilà, encore un petit mot là de la part des Webspell. Nous, on voudrait faire un petit coucou à Manek qui était au début avec nous à la CDF. Et malgré la restriction d'âge, il n'a pas pu jouer. C'était un super mate au début des Cups. J'aurais bien voulu qu'il soit là, mais bon, pour BF4, il sera là et on se battra.
on se revoit sur BF4 et évidemment aussi nos sponsors Soulysis, hein. Et puis niveau 7, c'est CFG Server. Et puis un petit coucou à nos présidents Day, Lux, Instar, des Westpel qui sont toujours là pour nous soutenir et la communauté BF3 évidemment. Hein. Voilà. La communauté BF3, eh bien qui vous soutiendra jusqu'au bout. Et puis Laszlo, notre petite backup chérie. Très sympa. Et LDLC, oui. Fusa et compagnie. Oui, voilà. Tout le monde, Somura, toute la communauté de Somura. Voilà. CND, Razor. Allez, on va terminer ces interviews. Merci, messieurs, d'avoir fini cette finale de la Coupe de France d'une manière tout à fait incroyable. Merci. Merci à vous. Ça va. On va se retrouver donc dans 10 minutes pour la remise des lots avec les trois équipes du podium. J'ai nommé les Punchline, les Webspell et puis les Pyro qui terminent troisième de ce tournoi. A tout de suite. Peggy 16. Get lit up, honey, back up!
PEGI 16. Alors on est de retour sur le Battlelog sur jeuxvideo.com et sur la Web TV Team LDLC. Je suis avec Greg Cusa, le Community Manager EA France pour Battlefield. Greg, on va revenir sur le spectacle. On a eu le droit à deux beaux jours de compétition PC. Ouais, deux jours mouvementés, très serrés, très disputés. Et vraiment l'apogée de toute une saison. Ça fait 6 mois quand même que les équipes s'affrontent en ligne. Et l'heure aussi de LAN, il y a eu des steps à l'extérieur qui rapportaient plus de points. Donc c'était vraiment une longue saison et les équipes les meilleures se sont qualifiées pour cette phase finale. Donc on les félicite. Les 8 équipes quand même qui sont déplacées. Alors, des dizaines d'autres qui ont participé tout au long de la saison. Et là, on va récompenser les 4e qui vont repartir à bord avec des lots de consolation, mais qu'on souhaitait aussi quand même récompenser pour leur participation. Et donc à la 4e place, on retrouvera les joueurs des remakes qu'on peut applaudir également. Les remakes. Alors qu'on va vous remettre au volo. Alors on va commencer par les t-shirts Nvidia. Et on a le plaisir de vous remettre, grâce à Razer, des tapis de souris Battlefield 3 Collector, donc plutôt sympa. Merci. Les fameux Razer Scarab. Permettra d'user BF4 avec des beaux tapis BF3. Merci. Alors, ça sera mieux.
si vous voulez faire des petites photos, c'est le moment. Bon, c'est cool aussi de le partager avec vous qui êtes en direct depuis chez vous. Bravo encore au remake. Et puis, bah, rendez-vous peut-être pour la prochaine saison. On peut les applaudir. On applaudit les joueurs des remakes. Merci à vous. Et donc, du coup, les remakes, ils ont perdu dans leur petite finale, Greg, contre l'une des équipes qui était pourtant les favorites pour la victoire finale, qui a dominé plutôt la scène française tout au long de la saison avec la victoire en Nvidia Cup, les joueurs des Pyrogènes. Ouais, les Pyrogènes qui faisaient partie des favoris, mais honnêtement, on l'a vu avec le fameux groupe de la mort, hein, très serré, puis finalement, ben, ça pouvait se jouer. Franchement, c'était qui pouvait dire qui pouvait gagner dans ces trois équipes. Honnêtement, j'étais incapable de le dire, même si effectivement les Pyrogènes, pour certains, étaient favoris, mais bon, on a vu que les punchlines et les web spells aussi étaient très très forts. On l'a vu à la Clam Arena, notamment, dans les Cup Online. Ça a toujours été très serré, donc bravo aussi quand même aux Pyrogènes qui ont fait une très belle saison et on va les accueillir pour leur remettre leur cadeau. Alors on peut accueillir et applaudir les joueurs des Pyrogènes qui misent 3e de cette dernière Coupe de France BEC 3. Un peu triste. Alors, les troisièmes ont remporté notamment de chez Razor les fameux casques Kraken. Hop. Enox, merci. Ils gagnent également, alors c'est pas physique, mais ils ont aussi des bons d'achat offerts par LDLC, quand même 100€ de bons d'achat, plus des bons d'achat Origin. Et voilà, c'est alors peut-être une petite impression sur cette journée, ce week-end. Bah, c'est déçu du match qu'on a fait ce matin, mais on est tombé sur des punchlines qui étaient vraiment vraiment très très forts. Bah, comme un petit peu ce qu'ils ont prouvé sur Internet. Il y a vraiment la grosse surprise, c'est Westpel qui a assuré vraiment pendant toute la LAN. Et je pense qu'on peut les applaudir, vice-champion et champion de France, les deux équipes très forts. C'est clair, très solide. On va retrouver maintenant les deuxièmes. Ouais, les deuxièmes. Merci aux joueurs des Pyrogènes. On peut applaudir une dernière fois les joueurs des Pyro. Troisième de cette CDF 13. Et on a eu le droit en finale, une énorme finale, un très très beau spectacle. Les Punchlines qui remportent la première map, les Webspells qui répondent direct sur la deuxième, et une troisième map avec une domination des Punchlines qui ont été très forts. Ouais, non, là, franchement, ça a été. La première manche, surtout, a été hyper serrée. La deuxième, on a senti un petit. Même si les webspells sont revenus, là, on s'est dit que tout était possible. Et franchement, les punchlines ont été ultra solides dans la dernière manche. Et là, vraiment, ils ont fait preuve d'une compétitivité absolue. Puis, ils ont maîtrisé, ils ont dominé dans le dernier side. C'était assez facile, au final. Ouais, et les webspells qui nous auront fait tout au long de ce week-end un parcours parfait, puisqu'ils auront perdu qu'une seule rencontre, la finale. C'est dommage pour eux, mais on peut applaudir les deuxièmes et les webspells, on les accueille. Webspells de cette Coupe de France BF3. Alors, on va. C'est pas exactement ça. Ah, les médailles, oui, on va aller. Les médailles. On va s'occuper des médailles ouais, pour les troisièmes, notamment les pyros. On va leur remettre peut-être quand même les médailles d'argent aussi, pour ceux qui sont déjà sur scène. Et pour l'instant, je prépare les lots des deuxièmes. Je ne vais pas faire la bise et j'ai pas le bouquet de fleurs, hein, tu m'excuseras. Est-ce qu'il y a une mademoiselle pour faire la bise? Non? Non? Bon. Plus que la Marseillaise. C'est pas le chef. C'était un peu l'hymne de cette finale BF3. Pendant la remise des médailles, j'en profite pour remettre les tablettes Asus avec les processeurs Nvidia Tegra 3. Donc vraiment boosté ça. Vous avez vraiment les super tablettes très très bien, très performantes pour vous. Donc offertes par nos partenaires, donc notamment Nvidia, Asus, LDLC, Cooler Master, qui ont tous contribué à ces cadeaux. Mais ce n'est pas tout.
Il y a également des souris, effectivement les belles souris Mamba, offertes par Razor. Et également, on dirait des petites statuettes. Hop. Hop. Et voilà pour vous. Et on va leur mettre quand même les chèches. Les fameuses écharpes Battlefield 3. Pour sentir couvert durant l'été. Hop. Test, tu peux m'en passer une dernière. Hop. Et ils sont couverts de cadeaux là. Bah, un dernier petit mot avant de quitter la scène. Et bah, allez, tiens, ça sera pour toi. Ton sentiment sur cette finale et sur ce week-end? On est super content, on a prouvé notre valeur, voilà, comme disait Enox. Puis même si on a perdu, on est quand même super content d'être deuxième. Et voilà, surtout Malicium, tout le monde disait que c'était un peu louche. Puis là, il a prouvé que c'était l'un des meilleurs. Voilà. Ah, c'est sûr qu'il y a des certains. Oui, bah, les punchlines qu'on va retrouver dans un instant qui ont été très très forts. Bah, bravo aussi à vous. Merci. Puis bah, on vous retrouve probablement la saison prochaine. D'ici là, entraînez-vous bien. Et puis, bah, on va vous laisser céder la place au punchline. On peut applaudir les joueurs de Webspell, vice-champion de France 2013. Et donc, face à eux, il y avait une équipe qui était plus forte, mais qui avait perdu en entame de cette Coupe de France hier, en premier match. Les punchlines avaient perdu contre les Webspell et ouais, ils ont pris leur revanche en grande finale. Effectivement, ils avaient perdu hier, donc on se demandait un petit peu ce qui allait se passer pour eux. Ils étaient un petit peu dans le doute. Et ben le doute, ils l'ont vite effacé au final. Aujourd'hui, ça a été. C'est clair, ils ont commencé par dominer les Pyrogènes en demi-finale assez facilement, on va dire. Ouais. Et donc derrière, ils s'offrent la finale face aux joueurs des Westpel en trois maps. On a eu le droit à un super spectacle. Ouais, mais je crois qu'honnêtement, c'est peut-être l'équipe, c'est les équipes qui avaient gagné, c'est celles qui avaient le moins de pression au final. C'est ceux qui ont été les plus concentrés, volontaires et qui se posaient pas de questions s'ils allaient être champions ou pas champions. Ils voulaient l'être et ils n'avaient pas de doute d'une trop pression. Peut-être c'était l'équipe des trois qui était là, entre guillemets, moins favorite, mais et encore à peu de choses près. Donc finalement, ils ont joué libéré. Donc on va les accueillir sur scène pour leur offrir et leur remettre leur médaille, leur cadeau et la fameuse coupe aux grandes oreilles de la Coupe de France Battlefield 3. Messieurs, on peut applaudir les joueurs des Punchline, premiers de cette Coupe de France BF3, ultime champion de France BF3. Avec la fameuse remise des médailles. Médaille d'or. Fabuleux. Et là, ces messieurs ont remporté le gros lot, comme on dit, hein. Franchement. Ils ont remporté le gros lot avec des t-shirts Nvidia. À quel moment on donne la coupe Grail? On va la remettre maintenant parce que c'est quand même le moment le plus spectaculaire. Puis les cadeaux, on va les remettre dans la foulée. Donc. Ah, je vais avoir le plaisir de vous la remettre. Avec. Vous êtes prêts, je sais pas, levez-la ensemble ou débrouillez-vous. Allez, chacun une main sur la coupe. Et on va les applaudir en même temps. Champion de France BF3, Coupe de France 2013. Vous avez le droit de mettre du champomis ou du jus d'orange dedans pour boire ensuite comme vous voudrez. On va vous remettre vos cadeaux offerts donc par nos partenaires. Avec donc Asus, Republic of Gamer, avec LDLC, Cooler Master et Nvidia, qui vous font vraiment ces beaux cadeaux avec ces ordinateurs portables, hop, avec des chipsets GTX, GeForce GTX à l'intérieur. Hop. Donc ça, vous pourrez même l'emporter sur des LAN ou autres, vous pourrez même jouer avec, parce qu'avec les chipsets... GeForce GTX qui est à l'intérieur, c'est lourd, hein. C'est franchement lourd. Ça va, ouais, ça va. Et le dernier pour toi. Ensuite, en plus, ça c'est parfait pour poser justement vos ordi pour aérer un petit peu tout ça. Ce sont des socles Cooler Master. Vous serez toujours au frais, voilà, quand vous serez en LAN et tout. Vous pourrez poser votre PC, votre laptop dessus. Ou le poser d'ailleurs sur le bord de votre bureau. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Dessous, offert par notre partenaire Razor, les fameux Messenger Bags.
Donc où qu'ils se baladent, ils seront équipés en Battlefield. Voilà, ça va être surtout très lourd à porter. Et en prime, je tiens à le préciser, il y aura aussi des Razor Mamba, mais qui ne sont pas ici, donc on vous les donnera un petit peu plus tard. J'espère que vous avez prévu une camionnette pour emporter tous vos lots. Donc bah, on va vous féliciter devant toute la communauté Battlefield qui vous regarde depuis jeuxvideo.com, depuis le Battlelog, depuis de nombreux sites, la team LDLC également, qui a relayé ça tout au long du week-end, tous ceux qui ont tweeté, hein, les Legends, les Benoît, tous ceux qui nous ont suivis, toute la communauté, les Benoît de Suisse. On tient à les remercier, on tient à remercier CND, je l'inverse toujours, CND et Néo pour les commentaires tout au long du week-end qui étaient enflammés. On sera là demain aussi, on sera encore là demain. Hein. Ah bah oui, c'est pas fini. J'ai l'impression que tu conclus. Non, mais là c'était un marathon quand même très intense et demain effectivement vous aurez droit aux joueurs console sur PS3 et Xbox 360. Un dernier petit mot peut-être. Allez, tu te lances. Tes impressions à chaud là comme ça? Eh ben, encore une fois, un grand merci à mes mates qui ont fait un gros boulot tout au long de cette LAN. On s'est bien débrouillé, on s'est bien rattrapé face à notre pseudo-fail hier contre Webspell. Et puis un gros merci à toutes les autres équipes qui ont participé à cette LAN. Un gros bisou à mon Marco. Voilà, bah écoutez, moi je suis vraiment content. On n'avait jamais atteint cette première place et aujourd'hui c'est fait. Pour la dernière LAN de BF3, je pense que c'est beau. Allez, on peut applaudir une dernière fois les joueurs de l'équipe Punchline, champion de France BF3. Peut-être poser ton sac et faire les photos avec la coupe. Faites-nous des belles photos. Allez, on va faire la petite séance photo. Allez, on va même mettre le panneau quand même pour le souvenir, ça sera sur les photos. Oui, je sais, je passe devant. Et moi aussi, je vais en profiter pour prendre ma petite photo quand même. Petite photo souvenir. Smile ! Il y en a certains qui ne veulent pas sourire parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas un beau sourire sur les photos, je crois. Partout. Eh bien, en tout cas, ben, merci à vous. On va entre guillemets maintenant rendre l'antenne. Comme on disait il y a quelques années à la télévision. On va rendre l'antenne, renvoyer tout ça. Quand il y avait encore du direct. À Boulogne-Billancourt, comme dirait Thierry Roland, par exemple. Alors on vous donne rendez-vous demain. Dès demain matin. Pour le tournoi console, on va streamer le tournoi Xbox. Tout à fait. C'est le plus pratique à streamer. On aura les équipes. Donc si vous êtes sur console, vous pourrez voir aussi qu'il y a du niveau. Donc si vous avez, ça sera un style de jeu en plus différent, avec un gameplay un peu différent que celui PC, plus lent, d'autres armes, c'est vraiment intéressant. Aussi, un petit peu plus lent, mais tout aussi tactique, donc ça sera aussi intéressant à regarder. Donc franchement, je vous encourage, parce que, petite perso, je joue sur PC, mais je suis toujours très surpris par leur agilité, leur habilité, leur skill à la manette. En tout cas, on vous donne rendez-vous demain sur le Battlelog, sur jeuxvideo.com et sur la web TV teamldlc.com. Si vous avez aimé cette journée, vous aimerez forcément demain, et on sera heureux de vous faire vivre ça, en tout cas, pour cette dernière Coupe de France BF3. À demain. Ciao.